des joueuses, justement, on va de voir Lominprov le Lominprov, on qui va n'ont pas voir. joué lors de la 8e journée. On va voir si déjà, il faut le dire, côté FAP, on a eu le temps matériel et De nécessaire de récupérer. récupérer véritablement. Et entre autres, je vous l'ai dit, choc au tableau, meilleure attaque, meilleure défense. Il va falloir justement voir aujourd'hui quels sont côté FAP surtout qui a affiché un certain nombre d'ambitions dès le départ de cette compétition, la réaction d'une équipe aussi conquérante qui, au bout de 9, il faut le de 8 journées, il faut le dire, n'a pas encore connu de revers. Quelle sera justement sa réaction face à un adversaire de taille, un autre prétendant au titre que les Louvre-Mimprov? Je crois que ce sera là aujourd'hui hein, que d'une certaine manière les rideaux vont commencer un peu à tomber et que l'on saura qui est qui et qui ne fait pas quoi. C'est un choc au-delà du haut tableau des internationales, il faut le dire, parce que de part et d'autre, c'est constitué énormément d'internationales. On attend côté Louvre-Mimprov aujourd'hui la réaction d'une joueuse, la réaction d'une joueuse, par exemple, comme Kameni Flora, qui est justement l'une des buteuses de cette équipe de Louvre, qui a eu du mal justement à trouver ses marques lors du début de championnat, mais qui aujourd'hui fait un plein et un regain de confiance avec le nombre de buts enfilés dernièrement. Et je crois que côté Louvre-Mimprov, il y a côté FA pour moi, il y a Ngondom, Annette, qui va essayer de porter ses troupes véritablement vers l'avant. Mais en termes de maturité, en termes d'expérience, vous verrez que joueuse pour joueuse, au côté Louvre, Mimprov, c'est un peu plus expérimenté que FAP et on essaiera véritablement de voir aujourd'hui ce que ça va donner face à FAP. Rappelez-vous le dernier match du Canal International en ce qui concerne la Guinée Super League. C'était le match de Amazon FAP qui s'était imposé 10 buts à 2. C'est à ça qu'on peut s'attendre cet après-midi. Non, je ne pense pas. Il y aura Pas ce pas. genre de match. Non, du Ça serait un tout. match plus équilibré. Je crois que on va se délecter, ça je puis vous Il y aura du assurer. beau jeu. Il y aura du beau jeu parce que j'ai confiance à toutes ces jeunes dames qui sont aujourd'hui sur l'enceinte de l'annexe numéro 1. Je vous assure, c'est le duel à ne pas rater. Et merci à Canal 2 justement d'avoir permis aux Camerounais de vivre en Mondovision justement ce spectacle unique que va nous livrer ces dames. Vous savourez une Guinness et on prend la direction de Yaoundé pour vivre avec Marc Choimo et Franck Bissot. Ces 45 premières minutes entre Amazon FAP de Yaoundé et Louvre Mimprov. À très bientôt, monsieur. Huit victoires sur 8 contre Louvre-Mimprov qui est son dauphin avec 7 victoires et un match nul, dont un match avancé lundi dernier avec cette belle victoire 2 buts à 0 sur Renaissance Athlétique. Louvre-Mimprov est bel et bien en rouge et blanc cet après-midi alors que les leaders sont à l'image avec ce vert sombre, l'équipe de Amazon FAP emmenée par Catherine Benguenon. Bon après-midi Junior Soso. Bon après-midi Marc Choimo, une fois de plus bon après-midi à tous les téléspectateurs. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, c'est une des grandes rencontres les plus attendues de ce championnat de la Guinness Super League, comme toutes les années depuis 5 ans. C'est un championnat qui a toujours écumé beaucoup de peuples. Et une fois de plus, vous l'avez constaté, aujourd'hui, le stade, il est plein. Et tout le monde attend donc ce beau spectacle, que ce soit à la maison comme ici, parce que c'est une bataille à la fois tactique, aussi une bataille des talents. Allez, on va aller donner les compos de départ rapidement. Côté Amazon FAP, on aura donc dans les buts Annette Ngondom, Dossa 1. En défense centrale, la paire Isis Sonkeng, 3 et Armel Mafo, Dossa 18. Arrière gauche, Doudou Ousmanou, le 21. Arrière droit, Rita Wanki avec son Dossa 5. Au milieu de terrain, on joue à 3 avec un milieu défensif. Brigitte Amboudou avec son numéro 2. Ivana Mbozomo, 20. Et Raissa Ebenye, 14. Sont chargés d'être les milieux relayeurs. Et puis les trois attaquantes sont Catherine Bengono, son numéro 4. À gauche de l'attaque, à droite, on a Lamina Mana. Lamine Mana avec son numéro 10 et en pointe, Linala Ngachu qui prend la place de Ngamanga blessé. Allez, la compo de Louvre-Mimprov dans quelques secondes. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce choc tant attendu de la Guinness Super League. La saison peut clairement se jouer ici sur les confrontations directes entre le leader et son dauphin. Oh là là, le double contact, le centre.
Elle a complètement dévissé son centre pour cette première percussion d'Augustine Ngombak Batum. Il faudra donc compter sur Augustine Ngombak Batum, justement, avec ce placement défensif de la part des FAP Amazon qui évolue avec Rita Wanki, qui, depuis un bon bout de match, est aligné à ce côté. Oh! Attention, l'opportunité! Ça s'est passé tout proche de l'ouverture du score. Cette tentative signée Ornella Tuta, l'attaquante de Louvre Mimprov, qui a surpris son beau monde. On a failli assister à l'ouverture du score à la première minute de jeu. Je le disais tantôt, ce sera le circuit préférentiel de l'équipe du coach Odou, passer par les côtés et exploiter la vitesse des joueuses Onkou Gislaine et celle de Ngombak Batum, parce que c'est quand même un des ventres mous de cette équipe des FAP Amazon qui, quelquefois après avoir perdu, après avoir replacé Mafo Armel Seye à la défense avec Issy Sonkin, prouve une fois de plus qu'on n'a pas encore trouvé une stabilité défensive de ce côté-là. Et en deux minutes, on a vu des débordements des deux joueuses Ngombak Batum sur l'autre côté et c'est raté de Ornella Tuta. Donc, les Louvre Mimprov arrivent là pour objectif de prendre d'assaut cette équipe des FAP Amazon. Avec cette faute déjà sur Brigitte Omboudou, il s'énerve un peu, elle essaye. De la dissuasion, Amazon Fab, 8 victoires consécutives en 8 sorties dans ce championnat. Allez, Issy Sonkin, la Lyonne indomptable, mettre ce ballon dans la surface de réparation, ça va aller tout droit dans les gants. D'Ange Baou, la gardienne titulaire des Lyonnes, il y a beaucoup d'internationales sur le terrain, ça devrait donner un match de haut niveau pour ce championnat. Allez, le contrôle avec ce ballon en profondeur de Charlon Meillon, l'accélération. Côté gauche de Ngombak Batum de centre, deuxième poteau avec ce ballon qui va traverser tout le stade. Allez, retrouver côté droit, Ghislaine Kou. Un coup avec cette passe en arrière. Tchadia pour récupérer. Jacqueline Sim, le centre, point de pénalty. Belle sortie aérienne. Danen Gandom pour calmer tout son beau monde. Les velléités offensives de Louvre Mimprov depuis le début du match. Déjà à 3 minutes de jeu et c'est Louvre, tenant du titre de ce championnat, qui s'inscrit en bien depuis le début du match. Elles doivent quand même relever la tête après un début de championnat, on va le dire, très très mou du côté de Renaissance Women de Guider, où elles avaient du mal à entrer de plein pied dans ce championnat. Et plus elles ont accumulé le match, plus elles se sont installées. Elles se doivent même de le faire. Et vous pouvez le voir, la bataille du milieu de terrain qui est coordonnée par Charlène Meillon-Ménine. Et aujourd'hui, c'est où tout va se jouer. Parce que quand vous avez une joueuse de son talent à ce niveau-là, il va falloir faire beaucoup attention du côté des FAP Amazon, parce que c'est un milieu relooké qui est quand même allié aujourd'hui avec Omboudou, qui a souvent l'habitude de jouer en défense, qui a été repositionné au milieu de terrain aujourd'hui. Allez, Mafo, sur ce ballon, on ne prend pas de risque. On met en touche. Allez, la remise en jeu pour Louvre Mimprov. Ballon perdu, la récupération. Et la faute surtout sur Raïssa Ebénier avec son casque depuis son choc à la tête, un peu à la Petr Cech, ancien gardien de but de Chelsea. Des perles de cette équipe des FAP. Allez, attention à ce drive là-bas. De Ghislaine Kou, elle va obtenir, elle n'atteindra pas le corner. Malheureusement pour elle, c'est un 6 mètres pour le leader Amazon Fab qui va tranquillement faire sortir son ballon. Amazon Fab qui reste quand même sur une belle victoire en déplacement du côté de Bamenda face à Vision Sport. Victoire 3 buts à 0, le compte de la 8e journée. Le match avait très mal démarré, ils avaient fait 45 minutes sans marquer de but, mais ils se sont déchaînés en seconde période malgré. Mauvais état du terrain, il y avait beaucoup plus cette pelouse de Bamenda. C'est souvent le souci avec le terrain de GMAC. Ouais, la récupération, Rita Wanki. Alors, dégagé. Essayez de retrouver Catherine Bengono. Attention, l'accélération là-bas. La première frappe, attention! Ah, ça passe à un cheveu de but. Gardé par Ange Baou. Cette frappe tentée par Lina Langatou.
Ça a failli faire mouche, Junior. C'est sur ce genre d'action que les FAP Amazon vont essayer de prendre du coup cette équipe des Loups. Vous voyez, en une touche de balle, elle sait qu'elle fait confiance à ses capacités athlétiques et elle décroche une frappe à cette distance. Elle a failli mettre Ange Baou en difficulté. Heureusement pour elle que ce ballon, il passe à côté. Et les Loups, mine-pro, vont devoir faire attention, surtout la paire, leur Marine Kong. Et Akamba Mimba. Perdu avec ce petit piqué. Ah, ça passe au-dessus. Oh, la première grosse occasion pour Louvre, pour Amazon Fab dans ce match. C'était l'occasion d'ouvrir le score. Le petit piqué est passé légèrement au-dessus. Est-ce que c'était la meilleure surface du pied qu'elle a trouvé notre ami Linala Ngatou? Mais il faut dire quand même qu'Ange Baou a fait une belle sortie pour contrer les velléités d'Amazon Fab sur cette occasion. Bah effectivement, ça, il faut aussi dire que Linda Ngatou n'est pas quand même une attaquante de formation. C'est une joueuse qui a souvent l'habitude d'évoluer du côté au poste latéral droit. Et ça fait que depuis deux matchs, elle est alignée à ce poste-là. Donc, elle n'a pas de repères. Si ça avait été Ngamanga, qui certainement est en train de manquer à cette équipe, ou encore la petite Eto Naomi, ça aurait pu faire mouche. Et elle manque un peu de réflexe là. Et puis bon, la sortie d'Ange Baou. Ça fait déjà deux opportunités qu'elle a en à peine 6 minutes de jeu. Allez, Charlène Meillon, la maîtresse du jeu de Louvre Mimprof avec ce ballon en profondeur. Ballon qui va filer en 6 mètres. On rappelle que Charlène Meillon, c'est la tour. C'est pas elle qui passe des attaques. Elle qui a failli signer en France cet été. Ça n'a pas été fait, mais ça reste toujours d'actualité pour Charlène Meillon Ménéneux, internationale camerounaise. Cet après, mais elle a quand même le brassard en lieu et en présence de la capitaine habituelle. Et on compte énormément sur elle pour débloquer cette rencontre. Ouais, la remise en jeu de Dolores Tchadia sur le côté pour Mbak Batoum qui renvoie la tête par de Wanky. Ça revient. Rita Wanky de la tête de nouveau. Oh là là, télescopage au milieu de terrain. Donc qui va aller. Elle va récupérer, essayer d'assurer le coup là. Izzy Sonkeng va mettre en touche tranquillement, avec beaucoup d'expérience de sa part. Le type de ballon ne prend pas de risque. Alors qu'on joue la 8e minute de jeu entre formation d'Amazon Fab et Louvre Mimprof. Toujours 0-0 pour cette 9e journée de la Guinness Super League. C'est le super match du jour. Duel entre le leader et son dauphin. Allez, Raissa Ibeni qui galope. Vas-y, pour aller récupérer ce ballon. Elle obtient la faute. Elle sera d'une préciosité à cette équipe des Louvre Mimprof au milieu de terrain. C'est quand même celle qui fait un peu de la peinture à ce niveau. La relance, la récupération, elle sait très bien le faire. On a eu un peu de frisson quand on a annoncé sa blessure quelques jours avant cette rencontre. On s'est dit que ça allait être compliqué pour cette équipe des FAP Amazon. Allez, long ballon, disait Sionkeng, pour essayer d'alerter Catherine Bengono, qui est passé en pointe. De la Restaja, de les pieds, Brigitte Mboudou qui met dans le paquet, Brigitte Mboudou à la récupération, la Lyon indomptable également. Champ de côté du gauche, ça va passer finalement avec l'accélération de la surface de réparation. Il y a une position d'enjeu. Position d'enjeu de Lamine Mana qui a déjà permuté une attaque de Amazon Fab. Bouge beaucoup. Vous avez vu que Catherine Bengono et Lamine Mana ont changé de côté. C'est un trio quand même qui fait mal à toutes les défenses et elle se maîtrise assez. C'est, ouais, je l'ai dit. Aujourd'hui, ouais. C'est un trio un peu bancal. L'équipe peut toujours faire mal. C'est quoi, ouais. J'aurais préféré qu'on titularise Peter Naomi Eto qui reste quand même sur 3 matchs avec 5 buts marqués. Elle a quand même cette. Beaucoup de facilité, elle trouve facilement le but et là on titularise comme une latérale de formation, ouais, en attaque. Ça veut tout dire. Ah, puis l'entraîneur Mike Ndoumou va pleinement confiance encore à cette joueuse. Elle est en train de progresser et peut-être comme c'est un match, un duel de leader, on veut rassurer le coup et jouer avec les joueuses d'expérience. En tous les cas, c'est ce qu'a fait le coach Oudou Poumier pour Louvre. Attention avec. Ouh là là, elle a fait mal. Elle a fait mal à son vis-à-vis. Rita Wanky qui reste sur le tapis. Mais c'est sur cette tentative de reprise du gauche. De la part. Je ne sais pas si c'est Viviane Méfiré qui a fait ce geste. Avec Rita Wanky, l'international camerounaise aussi. Elle était plusieurs fois appelée à l'époque des noms Gachou. Ancien sélectionneur des Lyon, aujourd'hui directeur général de. Il en a foot.
Il y a quand même. On va appeler les soigneurs là, pour prendre des nouvelles de Rita Wanky. Ça nous permet de faire le point. Cette formation d'Amazon Fab qui terrorise ce championnat. Club fondé en 2012, précisément le 23 septembre 2012. Le club a 9 ans aujourd'hui et s'inscrit déjà parmi les meilleurs du championnat, puisque le club a déjà gagné deux titres depuis sa création. Un championnat en 2016 a ravi la vedette à Louvre-Mimpov, justement en approchant le titre en 2016, et puis une Coupe du Cameroun l'année d'après. Puis depuis lors, il n'y a plus rien eu. Théa, la reprise du jeu. Dégagement d'Izzy Sonkeng avec ce long ballon. Mboudou va au charbon, ça va aller retrouver Ange Baou, la gardienne titulaire de Lyon. Avec Wanky Rita est bel et bien revenu sur le terrain, tout va mieux. Ouais, pour le moment, les deux équipes s'observent. Mac, on n'a pas encore réellement une prise d'initiative. Vous voyez la bataille du milieu, elle ne s'est pas encore stabilisée. Des balles qui vont un peu de partout, ce qui fait que le 4-3-3 des Louvre-Mimpov est en train de répondre au 4-3-3 des FAP Amazon pour le moment. Et avec une fille comme Mefiri Pekka qui est quand même alignée à ce poste-là, c'est quand même un peu étonnant quand on sait qu'on a les Mafoualistes, Raïssa Adama et bien d'autres sur le banc de touche. Un peu plus compliqué, cette entame de rencontre entre les Louvre-Mimpov et Louvre et FAP Amazon. Les deux équipes sont en train de jouer la carte de la prudence. Personne ne veut se jeter. Et surtout que FAP Amazon compte sur la vitesse et la vélocité de ses deux attaquantes, Catherine Bengono et Lamine Niné, sur les côtés. On a vu sur quelques percées, elles ont failli faire mal à cette équipe des Louvre-Mimpov. Des alertes qui vont pousser Marie-Long Kong et la jeune Akamba Mimban d'être très 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 prudente afin de ne pas être prise à court par l'équipe des FAP Amazon qui sait bien le faire depuis un bon bout de temps. Marc. Allez, il n'y a pas de faute, c'est une remise en jeu tranquille pour Louvre-Mimpov. Une nouvelle remise en jeu. Alors que Louvre-Mimpov, 15 fois championne, première division féminine du Cameroun, dernier titre en date l'année dernière. C'est la tenante du titre, cette formation de Louvre-Mimpov. Alors dégagé par Brigitte Mboudou, ça file en touche. Quasi sans faute, en dehors de ce match nul lors de la cinquième journée. Face à FC Ibolova, ici même, sur ses propres installations, avait été contre match nul, 0 but partout. C'est une belle défense de FC Ibolova menée par Augustine Djangasiliki. On revient en direct avec ce ballon renvoyé par Dani Mimbang. Mboudou va chercher côté gauche l'accélération. Lamine Mana au duel face à Mimbang, le long crochet de Lamine Mana. Finalement, ça va filer en 6 mètres. Son dribble n'était pas assez précis. Et ça gâche une opportunité pour formation d'Amazon FAP. Alors on joue actuellement 14e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations. Ballon qu'elle pouvait bien s'aminer à l'intérieur de cette surface de réparation, Max Chouamou, mais elle a préféré la solution solo. Elle avait quand même en face d'elle Dani Mimbang qui fait la beauté de cette défense des Louvre-Mimpov. Depuis 3 ans, elle a été associée à plusieurs joueuses, Eliane Mambolamo, elles sont parties et bien d'autres. Mais elle est restée solide sur son déplacement et le sens de l'anticipation comme sur cette action, vous l'avez vu. Donc elle va devoir aller chercher très loin pour battre Dani Mimbang sur ses actions de 1 contre 1. Parce que là, les FAP Amazon ont besoin de se réinventer parce qu'en face, nous avons une équipe solide, mieux solide que les équipes du Nord, mieux solide que avec ce bon ballon de la Stadia qui renvoie. Il vient dans l'entrejeu avec Raïssa Adama, petit ballon en profondeur pour alerter
Gombak Batoum, la récupération d'Isis Sonkeng au duel avec Ghislaine Kou. Ce sera une remise en jeu pour la formation de Louv Mimprof avec cette remise en jeu de Jacqueline Sim. Charlène Meyong. Avec ce ballon en profondeur, Isis Sonkeng ne prend pas des risques, elle met dehors. Beaucoup d'expérience de sa part, mais aussi à cette facilité dans son jeu, Isis Sonkeng qui ne se complique pas la tâche. Il va aussi de sa qualité à balle au pied. Centre instantané de Sim, ballon contré, elle va refaire. Attention à ce ballon qui traîne, c'est dégagé finalement par Ivan Ambozomo, ça revient. Ah, c'est un vrai duel aujourd'hui, c'est un vrai duel. Un vrai derby pour la capitale du Cameroun entre Amazon Fab de Yaoundé et Louv Mimprof de Yaoundé. Quand on joue la 16e minute du jeu, on a dépassé le premier quart d'heure dans cette rencontre, mais toujours 0-0. Amazon Fab, c'est la meilleure attaque du championnat. 34 buts inscrits depuis le début du championnat en 8 matchs. Faites-vous même la moyenne, c'est énorme. Énorme justement, parce que c'est sur ce petit détail que le championnat se joue depuis 3 ans, Max Chouameau. Les équipes ont toujours gagné grâce au goal à virage. Donc, les FAP Amazon l'ont compris dès le début de cette Guinée Super League avec un premier match de 10-1, un autre le score de 10-2. Donc, elles doivent beaucoup marquer pour prendre cette avance-là. Et c'est une situation qui pénalise un peu plus les Louves avec ce nombre de points. Elles ont 4 buts de moyenne par match, hein. Moyenne 4,25 pour être précis. Du réalisme à outrance. Attention avec ce contrôle manqué. Et sur le terrain aujourd'hui, et côté Amazon Fab, 5 joueurs sur le terrain totalisent 25 des 34 buts inscrits. C'est énorme. Quand dans votre équipe, vous avez des titulaires qui ont déjà marqué 25 des 34 buts que vous avez inscrits, c'est dire l'importance de ces joueuses avec en tête Catherine Bengono, bien sûr. Je crois que c'est elle justement à l'image. Elle se relève peu à peu, 10 réalisations en 8 matchs avant celui-ci. C'est le 9e match aujourd'hui. Amazon qui n'a pas encore joué son match de la 8e journée, match face au Canon reporté, et qui a déjà joué un match avancé de la 12e journée face à une équipe du Nord, Renaissance Athlétique, victoire lundi dernier. 2 buts 0-0 tranquillement ici dans cette pelouse. Et c'est vraiment dégagé. Allez, retrouver Annette Ngondom, l'ancienne gardienne titulaire des Lions face à la nouvelle génération. Qui va l'emporter? Restez sur nos antennes, bien sûr, avec Marc Chouameau et Junior Soso au commentaire de ce match. Avec cette faute signalée par l'arbitre. Allez, deux joueuses restent sur le tapis. C'est Jacqueline Sim et Raïssa Ebénien qui reste sur le carreau. La saison dernière, les deux formations se sont affrontées à 2 reprises. Chacune s'est imposée à domicile. Louv Mimprof avait balayé Amazon Fab la saison dernière. 4 buts à 2 au match aller. Et au match retour, victoire d'Amazon Fab, 1-0. Ça n'avait pas suffi à Amazon pour revenir à hauteur de Louv Mimprof. Louv Mimprof qui a terminé en tête du championnat. Championnat arrêté par la Covid-19 après la 19e journée. Mais Louv Mimprof était en tête avec 3 points d'avance cette fois-là sur Awa Football Club. Et Awa qui a joué tout à l'heure et Awa qui s'est imposé 3 buts à 1. Et Awa qui est dans le trio de tête et qui suit de près les deux leaders sur la pelouse cet après-midi. Et ce sont les 3 équipes, Max Chouameau, qui tiennent quand même les rênes de ce championnat. Et l'an passé, FAP Amazon a quand même été pénalisé par un retrait de 3 points pour avoir manqué un match du côté du centre technique de la FECA Foot, ce qui fait que voilà, elles avaient déjà perdu quelques points au niveau de la course au titre, mais cela n'a pas empêché cette équipe de revenir juste en toute fin de partie. Mais malheureusement, le Covid est arrivé et a tout arrêté. Et vous voyez là, vous avez parlé de bataille générationnelle. Nous avons une équipe des Louv Mimprof qui quand même a passé une saison d'incubation avec des nouvelles joueuses. Et cette année, elles sont en train de dérouler, contrairement au FAP Amazon qui est en train de mélanger des nouvelles, la jeunesse et à l'expérience. Allez. On va suivre ce coup franc à la médiane.
Marie-Laure Kong avec ce long ballon. La déviation, attention, hein, tranquille là pour Anen Gondom. Allez, on nous signale, c'est plutôt une victoire de Awa, 4 buts à 1. La victoire de tout à l'heure, c'est 4 buts à 1, voilà, face à Edin Chi. Merci au coach Joseph Doko, l'ancien sélectionneur des Lyon, qui suit toujours de très près ce championnat féminin et qui ne peut pas être dans les tribunes parce que stade à huis clos, imposé par la fédération avec les dispositions coronavirus. Même s'il y a quelques personnes à la tribune, c'est des personnes des clubs représentés, des équipes qui ont joué à 13h tout à l'heure, et Dinchi et Awa. Il n'y avait à un moment pas de public, ça se ressent vraiment pas pour un choc aussi important de ce championnat. Allez, l'ouverture à droite, le crochet peut enrouler du gauche, c'est contré. C'est pas fini avec cette frappe de loin. Cette fois, ça va fuir le cadre. La tentative de Jacqueline Sim en second recours. C'est Lubnik Prof qui a déjà 5 occasions dans ce match, mais c'est FAP qui a eu les 2 meilleures opportunités de faire but directement dans il y a quelques minutes. C'est justement dans ce genre d'occasion qu'on aura besoin de Charlène Meillon. Vous voyez, en une touche de balle, elle a facilement décalé. On coup Ghislaine qui a aussi trop tripoté le ballon. Malheureusement, sa frappe enroulée tentée ne va pas jusqu'à Annette Gondom. Elle est contrée. Donc on aura fortement besoin de Charlène Meillon-Ménine à cette position-là. C'est justement pourquoi, je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est quand même la plaque tournante de ce milieu de terrain, de ce milieu des Loups, prof. Donc on va devoir beaucoup compter sur elle pour casser 2-3 lignes pouvant mettre en danger l'équipe des FAP Amazon. Oui. Alors qu'on joue la 22e minute, toujours 0-0 entre Amazon FAP en vert foncé et Lubnik Prof en rouge et blanc. Et Izzy Sonkeng pour la relance tranquillement. Ce qu'elle va balancer avec ce long ballon. Adama en profondeur pour alerter Ghislaine Kou. La petite voiture qui va mettre la pression sur Doudou Ousmanou, ballon renvoyé, ça revient. Ghislaine Kou, elle est sur le soin Sim. Ce sera une nouvelle remise en jeu. Là pour Lovmin Prof avec ce ballon. Et l'arbitre qui signale la faute au profit des leaders du championnat. Amazon FAP, 34 buts à noter, surtout les deux grosses victoires, 10 buts inscrits face à Renaissance Athlétique et Renaissance Women, hein, c'est pas oublié quand même. On les appelle généralement les distributeurs automatiques des points dans ces championnats. C'est plus de buts parce que Renaissance, Amazon FAP ne fait pas dans la dentelle face à cette équipe d'équipe. Elle inscrit 20 buts face aux deux équipes du Nord. Allez, ballon en profondeur, pourquoi pas cette opportunité ici avec Dolores Tadja qui accélère. Dolores, elle va récupérer ce ballon, le crochet de Dolores Tadja s'appuie sur Gombak Batoum. On retrouve de nouveau Viviane Mefiré. Oh là là, la passe a manqué de la part de Charlène Meillong, plutôt qui a raté sa remise. La capitaine de Lubnik Prof cet après-midi, l'internationale camerounaise Charlène Meillong-Ménoneux, qui était à la Coupe du Monde en 2015 au Canada et en 2019 en France. Elle était dans le groupe. Elle était beaucoup plus joker en quelque sorte à cette époque-là. Elle a disputé la CAN 2018 au Ghana sous les ordres de Joseph Ndoku. Il a disputé les Coupes du Monde sous les ordres de Enongachu. Et là maintenant, un peu freiné par la blessure. Également sous les ordres du sélectionneur Alain Diomfa qui devrait en principe être dans les tribunes, si je m'abuse, pour regarder quand même le cru du championnat. C'est le véritable choc, c'est la crème de la crème du football féminin camerounais. Allez, avec cette passe en retrait contrée, la récupération tranquille en profondeur pour Catherine Mengono. Et l'intervention de Danny Mimbang pour mettre en corner. Il va faire très très attention à Linda Ngatu, en fait à ses permutations qui vont un peu vite sur ce côté. On a vu, c'est le circuit préférentiel de cette équipe des FAP Amazon. Elles sont déjà passées par là jusqu'à 3 fois de suite. Heureusement que le positionnement de Danny Mimbang permet encore à cette équipe de Lubnik Prof de conserver leur invincibilité à ce niveau. Vous pouvez également nous suivre sur internet,
C'est notre page YouTube www.canadinternational.net pour ceux qui sont hors du Cameroun et qui aimeraient suivre cette rencontre ou bien qui sont occupés et qui peuvent suivre depuis leur téléphone. On n'avait encore rien raté du tout, du moins. Il n'y a pas encore de but. Parce qu'il y a toujours des 0-0 et grâce à la réalisation avec Colin Zwanchuan, on aura cette mémoire des ralentis des quelques buts aujourd'hui. Restez scotchés, bien sûr. 26e minute de jeu, à peu près, toujours 0-0. Récupération, Dolores Sadia, ici, sur le ballon. Dolores harcelé, pressé, et s'appuie sur Mimbang. Il change de côté. Ghislaine Kou, le contrôle. Ghislaine Kou, elle met la pression, et ça sera dégagé en touche au profit des rouges. Louvre Mimprof, tenant du titre de cette G1 féminine du Cameroun. Aujourd'hui appelé Guinness Super League, personne n'a encore gagné l'édition appelée Guinness Super League, tout est en jeu. Et n'oublions pas qu'il y a une place qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions africaines, la première édition de la Ligue féminine. C'est le plus grand Ligue africaine féminine, bien sûr, c'est ça qui a donné un stimulus à ce championnat cette saison. Le vainqueur du championnat ira représenter le Cameroun à la zone Afrique centrale pour prendre le seul ticket de l'Afrique centrale pour la Ligue des Champions féminines qui demande un copreneur. Pour savoir le pays qui va abriter ce Final 8 de la Ligue des Champions féminines. Allez. Bon, Batum avec Tchadja Dolores, c'est serré. C'est serré. On ne lui a pas proposé des solutions. Elle a tripoté le ballon pendant que Dolores Tchadja a reculé. Pourtant, on pouvait créer des espaces et puis profiter du fait que comment on l'appelle déjà ? Voilà. Ngobak Batum va la conserver ce ballon afin de décaler Charlène Meillon. Mais malheureusement, personne n'est allé proposer cette solution-là. Et ce qui a un peu compliqué la tâche. Oh là, Charlène Meillon, le contrôle, la qualité de jeu. Elle résiste au duel. Normalement, elle va une faute sur elle, mais l'arbitre l'a joué. Elle se bat comme une lionne pour récupérer ce ballon. Et ça file en touche au profit des visiteuses. Parce qu'aujourd'hui, c'est Amazon Fab qui reçoit Louvre Mimprof, même si elles sont dans la même ville. C'est un vrai derby. L'année dernière, chacune des équipes l'a emporté. Et c'est Louvre qui avait inscrit le plus gros score. Fleuve à l'aller, 4 buts à 2. Oh la faute, oh la faute. Beaucoup d'impact physique. Ouais, oui, beaucoup Chouamou. D'impact là, la faute. J'ai l'impression que c'est Augustine Gombak-Batum qui a pris cette décharge. Est-ce que c'est oui, elle va se lever la petite fille d'Ezeka. On l'appelle très souvent un club. La petite Ferrari d'Ezeka. La petite branche du Guayavier. Augustine Gombak Batum, elle est un peu comme le mangoussi, on est dur. Ouais, c'est rapidement relevé. Pourtant, c'est elle qui a subi le coup. Ah oui, et celle qui a donné le coup encore au sol. Et c'est quelquefois les bienfaits des grandeurs au village, Marc. Ah oui, bon, Ezeka, c'est une ville. Mais c'est vrai que grandi là-bas. Ceux qui ont grandi dans les métropoles de la Yaoundé sont un peu considérés comme les poulettes fermes. Ben ça, il faut le dire. Ce sont les villes même du Cameroun. Quand on parle de villes, on voit Douala, on voit Yaoundé. C'est difficile de considérer. Et ceux qui viennent de Tocombéré, des Eka et autres, comme des enfants qui ont grandi en ville, c'est difficile. Allez, Louvre Mimprof. Et voilà, Linda Ngachu à l'image, elle qui fait office d'avant-centre aujourd'hui, arrière-gauche de formation. Voici, ça a marché avec Ateng Bengono, qui est arrière-gauche de formation et qui aujourd'hui qui est meilleur buteur du championnat, milieu de couloir gauche. Pourquoi pas avec notre ami Linda Ngachu. Wow. Linda Ngachu déjà auteur de 2 buts cette saison avec Amazon Fab. Bah, il faut dire qu'une comme Catherine... Le carton jaune sorti. Amazon Fab, numéro 5, Rita Wanky. Ouais, Rita Wanky qui prend ce carton jaune. Amazon Fab, Jesse No. 5, Rita Wanky. Et ouais, un coup franc pour Dolores Tchadja. Très bon coup de pied, elle aussi. C'est la... deuxième meilleure attaque du championnat, si je m'abuse, cette saison. Tout comme fait, on le verra dans nos fiches. Mais c'est la meilleure défense du championnat. C'est la meilleure défense. Avec un seul but encaissé. Attention à ce très long ballon. Et ça va aller mourir derrière les cages de Annette Ngondom. Annette Ngondom qui a déjà encaissé 3 buts cette saison. Et les 3 buts ont été tous encaissés à domicile. C'est le 5e match de l'Amazon Fab à domicile. Et sur les 4 premiers matchs de la saison joués à la maison, 3 buts encaissés par Amazon Fab. Ce sont les 3 seuls buts encaissés cette saison par cette formation. Et d'ailleurs, face à des formations assez faibles quand même. Ouais, ce sont les 2 Renaissances qui ont marqué des buts contre Amazon Fab.
C'est un peu coupable de relâchement au début de match. Beaucoup de boudes, beaucoup d'errements défensifs sur ces trois buts encaissés. Par contre, le but encaissé par les Louvres Minprof, c'était vraiment un but d'école marqué par Vision Bamila du côté du centre technique de la CAF. Deux touches de balle, elles ont mis en balotage toute la défense des Louvres Minprof et ça avait permis à la petite Iritiba de marquer ce but. Elle a tenté un centre lointain. Elle va accompagner tranquillement en 6 mètres. Allez, on a atteint la demi-heure de jeu. 30e minute, toujours 0-0. Ce match a commencé. Tambou bâton avec d'abord deux grosses occasions de Amazon Fab. Avec ce petit piqué de Linda Ngachu qui est passé au-dessus de là-bas. Et puis, ça s'est calmé peu à peu maintenant. On joue un peu, on sent que l'enjeu a pris le pas sur le jeu dans ce duel des leaders. Il y a deux points d'écart entre les deux formations, il faudrait le rappeler. Amazon FAP est en tête avec 24 points sur 24. Et puis, deux unités après, Louvre Minprof. Yeah. Ah, la faute, le coup d'épaule. Ça, c'est un coup d'épaule d'énervement de la part de Ghislaine Kou. On est là tout à l'heure, je crois. On est là tout à l'heure. On est là, Evanique Touta, la plus ancienne de cette formation de Louvre Minprof. Formée au club. Elle a quand même fait les beaux jours des Lyon U17, Marc Chouameau. Et aujourd'hui, elle est là. Et vous voyez, elle est plus en jambes que le reste des joueuses des Louvre Minprof. Parce qu'elle, pendant qu'on était en saison morte, elle a fait un petit détour du côté de l'Occident. Est-ce que c'est l'Occident? De l'Asie, ouais. Elle a fait un petit détour là-bas. Et puis, elle est restée en jambes avec les Elodie Meto et bien d'autres. Marc Chouameau, oh là là. Une très belle action quand même construite du côté gauche une fois de plus des Louvre Minprof où on retrouve une joueuse comme Josiane Sim qui n'est pas quand même vouée à sa tâche défensive aujourd'hui. Elle est plus offensive et ce qui fait que ça laisse un peu plus de boulevard à Catherine Bengono sur ce côté. Et elle doit faire très très attention parce que 3 à 4 occasions multipliées de ce côté-là, ça peut faire mouche. Ah, belle bagarre là, Evanique. J'ai confondu avec Linda Ngachu qui se battait bien à récupérer la côté droit et la faute obtenue par Evanik Touta va permettre à Louvre Minprof de monter, d'évoluer un cran au-dessus de la moitié de terrain adverse. C'est sur ces quelques petits gestes que cette rencontre va se jouer. Le ballon de Marie Lorcon, attention, ce ballon qui traîne là dans la surface de réparation adverse, Oudou. Que fait Doudou Ousmanou? Doudou Ousmanou, point de corner. Doudou Ousmanou, c'est l'homonyme de Luciano Doudou Ndjaku, notre cameraman de Piloum, dans le Mongo. Et qui nous suit actuellement, bien sûr, puisqu'il aime la crème du football féminin, bien sûr, entre le leader Amazon FAP et son dauphin, Louvre Minprof. Deux points d'écart, toujours entre les deux. La remise en jeu pour Doudou. Lucy qui reste très très en position depuis le début de cette rencontre. Il n'y a pas de faute. Ghislaine Kou récupère le centre instantané de Sim. Ballon repoussé de la tête par Mafo. Ça revient là. Il y a une opportunité à jouer avec ce ballon qui traîne Mafo de nouveau. Et elle est venue prêter main forte à sa défense. La Katine Bengono. Et la déviation est excellente. Attention à l'accélération. Bengono joint une touche. Ah, ça a failli passer. Heureusement, le retour. Jacqueline Sim. Sharon Meillon. Dolores Tiadja. Dolores, l'accélération. Ouh là là, elle a été coupée littéralement. Et l'arbitre dit qu'il n'y a pas de faute. Et Katrin Bengono peut aller. Katrin Bengono qui, au souvenir de ses anciens tacs en tant que latéral. C'est pourquoi il faut compter sur elle, Marc Chouameau. Parce que là, elle sait que tout l'espoir de cette équipe repose quand même sur ses épaules. En tant que meilleure buteuse, vous voyez le repli défensif. Elle vient prêter main forte à son équipe jusqu'au niveau de la défense. Remonter et puis chercher cette déviation-là. Et elle le fait assez bien. Elle a cette niaque, elle ne gère pas. Alors, du fait que voilà, la bite n'a pas sifflé. Elle continue dans le jeu. On a besoin de ses mentalités pour aller gagner ce derby qui se joue aussi souvent sur ses psychologiques, Marc Chouameau. Ouais. Alors, qu'on signale également qu'il y a la suite de l'Elite 2 aujourd'hui et la quatrième journée de l'Elite 1 qui a débuté également aujourd'hui. Et Bamboutos de Bouda qui mène ici à Yaoundé au stade Amadou Ahidjo. Yaoundé deux formations, 2-0 pour l'instant avec le début de Chevalier et de Herman Tchakounté pour les supporters des Mangwa Boys. Nous suivre peut-être. Championnat féminin, Bamboutos n'a pas encore d'équipe féminine pour l'instant. Sinon, les supporters auraient envahi ce stade malgré l'imposition
Covid-19. Il y a quand même eu une vague de création des équipes dans la deuxième division quand on a annoncé la création de la Guinée, de la Champions League féminine africaine. Vous avez eu tout le monde à chercher à créer Lyon une équipe. Lyon doit créer une équipe féminine déjà aussi. Ça fait déjà deux saisons que Union d'Albin. Et les autres peuvent suivre, comme imiter Canonfi qui est déjà en première division. C'est d'imiter Edinchi également qui est en première division. C'est quand même difficile. On d'avoir également Coton Sportif, pourquoi pas. C'est difficile d'avoir des équipes mixtes, Marc. Difficile. Surtout le football féminin qui tarde encore à prendre son envol. Il faut toujours attendre encore et encore. Ce qui fait que c'est difficile d'y investir de l'argent. Et alors, ce qui fait que voilà, on n'a que ces clubs mentors, FAP Amazon, Love Min Prof, ASAWA, qui doivent pilonner ce championnat. Et n'oubliez pas de grands rendez-vous sportifs également ce soir avec la descente à l'arène du Camerounais. Francis Ngannou sera autour de 1h, 2h du matin face à Stipe, à Miocic. C'était ce duel de MMA, Martial Mix Art. Attention avec ce centre de Charlène Meillon, on va repousser. Ça vient d'entrer la Suffol, la frappe lointaine. Au-dessus, cette tentative instantanée signée Jacqueline Sim, je crois, ou Marie Lokong. C'est Marie Lokong qui a tenté la défenseur centrale. C'est bel et bien. Raïssa Adama. Ouais, c'est Raïssa Adama plutôt, Dossa 19. Elles ont presque la même morphologie. C'est bien essayé à cette distance. De Raïssa Adama. Elle la marque souvent. Elle marque souvent à cette distance. Ouais. Ouais, comme ça vient, elle a repris. C'est ce qu'on adore. Ah, il y a faute littéralement. Ouais, 36e minute de jeu. On a moins de 9 minutes encore à suivre dans cette première période. Et toujours 0-0. Ah, il va falloir compter sur une petite erreur ou bien sur le génie, soit de Charlène Meillon-Méliné ou encore de Raïssa Ebenyé-Bongué pour illuminer cette rencontre. Parce que c'est ce qui va faire la beauté. Le but, tant que ce n'est pas encore le cas, nous serons obligés quand même de déguster ce que nous voyons là sur le terrain. Parce qu'on a du mal à avoir deux équipes qui construisent réellement le jeu Marc Choimot. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Des ballons qui partent d'un camp à un autre sans toutefois passer par le milieu du terrain. Et il faut le dire, c'est assez décevant pour deux équipes de cet acabit-là. C'est quand même les leaders, c'est quand même les meilleures équipes de ce championnat. On s'attend à ce qu'on pose le ballon, qu'on construise des actions pouvant apporter un danger assez clair, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ça va un peu dans tous les sens. Un ballon DJ Sonkeng. La remise de Bengono, qu'on n'a pas encore vu dans ce match. Elle n'a pas encore eu d'occasion. Sonkeng va remettre l'autre côté. Un très belle transversale, côté gauche. Et leur jeu. Et leur jeu, notre ami Lamine Mana, c'est pas aligné. Beaucoup de fautes, décidément, quand même. Non. Beaucoup d'impact, ouais. Ça il faut le dire, beaucoup d'impact physique, Marc, beaucoup d'impact physique. Pourtant c'est pas en fait c'est que oh là là, Catherine Mengono elle est allongée là. Elle s'est écroulée. Qu'est-ce qui s'est passé? La vite se prend des nouvelles. Catherine Mengono va appeler les soigneurs d'Amazon FAP et surtout la Croix-Rouge pour prêter main forte à la meilleure buteuse du championnat. 10 réalisations, c'est le 9e match aujourd'hui. Elle a toujours fait mal aux grandes équipes. On se rappelle quand même de ce titre refusé à cette même équipe de FAP Amazon. Le temps qu'elle évolue encore à Green City. Une petite anecdote, hein, parce que les FAP Amazon avaient déjà floqué les t-shirts champions 2018. Et la Green City a joué la mauvaise carte. Ah oui, elle a touché la fête. Nos amis de FAP qui ont dû repousser à cette saison peut-être le second titre de son palmarès dans ce championnat, peut-être. C'est quand même le meilleur début. Ouais, déjà honoré quand même en 2016. Déjà champion en 2016. Et grâce à des joueurs expérimentés qui sont la Linda, Roustan, Gachou et Nkou Gislaine, à cette époque, elles évoluent à Amazon. Amazon FAP Web. Une belle petite perle, une belle petite paire qui avait quand même fait mal à cette équipe de FAP Amazon à la Coupe du Cameroun, puisque les deux avaient marqué. Mmh. Et aujourd'hui, elles ont gagné. À Louvre, mes profs, beaucoup de Lyon, un notable qui joue à l'étranger aujourd'hui, on joue à Louvre, non? Il y en a pas mal dans cette équipe des Lyon et notables du Cameroun qui sont passés par Louvre, mes profs. J'ai l'impression, si je ne me trompe pas, que Nganamout a joué. Si je ne me trompe pas à Louvre dans le temps. Oui, une seule saison seulement. Attention, on va suivre ce coup de pied arrêté, le centre, tir.
Mauvaise option, mauvaise option. Très très mauvaise option. Et pourtant, il y avait beaucoup de monde dans la surface. Parfois, il faut exploiter ces possibilités. Peut-être pas une, pourquoi pas une main et une petite faute dans ces zones-là. Oh, oh. Charlène Mayong au duel. Elle est suivie comme de l'huile sur du feu. Hein. Charlène Mayong. C'est justement pourquoi Brigitte Omboudou a été alignée au milieu de terrain pour ce match, parce que depuis le début de la saison, elle joue en défense et là, elle a aligné au milieu de terrain avec Brigitte Tiamembo-Mouzoum, Brigitte Ivana, ce qui fait que voilà, elle est surveillée de. Oh là là, le duel Charlène Mayong, on a l'impression qu'elle a rendu l'appareil parce que ça fait pas de cadeau, pas de quartier. Récupération tranquille de la part de Mimbong avec Charlène Mayong, harcelé, Tchadja. Nkou, oui, voilà une opportunité, pourquoi pas. Ah, ben, l'ont mis en touche. Prend pas de risque de la part d'Ivana Mbozomo. Elle aussi qui est obligée de se replier parce que là, c'est pas son poste. Elle se replie pour venir jouer à ce niveau-là. Jislenkou, buteur lors du dernier match de Louvre Mimprof. Début à 0, si on est sans l'étire de la récupération de Catherine Bengono. Elle n'est pas précise, elle n'est pas dans son match pour l'instant, la meilleure buteuse du championnat. Là, pourquoi pas ici, avec ce ballon en profondeur. Katen Bengono, bien lancé. Bengono, la frappe est totalement dévissée. On sent une joueuse qui n'est pas en confiance cet après-midi, pour le moment du moins. C'est difficile, il y a quand même de l'adversité aujourd'hui. Ouais. Ce n'est pas Renaissance. C'est quand même une défense qui est incroyable, irréprochable au niveau du... C'est tout simplement la meilleure défense du championnat. Et depuis trois ans, oui. Elles sont là, c'est la meilleure défense. Je les ai tantôt avec Dani Mimban. Est-ce que ça peut être un match charnière pour Amazon Fab? Est-ce que ce n'est pas le match pour juger cette formation si elle veut être championne de Cameroun? Mais le championnat, il se gagne très souvent. Attention de vertu, la poudre de Restiata qui va accélérer, qui va s'arracher. Vous tentez de prendre ce ballon, elle a réussi. Je ne pense pas. Donc finalement, il y aura 6 mètres. Quand vous faites un tel effort là, pour revenir, c'est souvent très compliqué. Mais là, c'est une pro, elle peut revenir. Si ouais, c'était moi, j'aurais pris mon lit et j'aurais mis la pointe corner pour me reposer 30 minutes. Ouais, c'est quand même des matchs, je crois, moi. Ouais, quelques petites prouesses. Des gros matchs, moi. Bah, déjà. Allez, revisons. On est entré dans le temps additionnel de cette rencontre déjà. Beaucoup de cardio quand même pour la joueuse Dolores Tchadja. Il y a beaucoup de cardio. Quelquefois compter comme celle-là qui devait porter les couleurs des Lions des Notables, mais à la dernière minute, elle a été doublée par Colette Njana Fegué, une de ses concurrentes en championnat, qui elle aussi est très bonne à ce poste. Et une faute. Peut-être on aura une dernière occasion dans ce match, dans cette première période. Izzy Sonkeng joue dans l'axe maintenant, mais à l'époque Izzy c'était arrière gauche. Et même chez les Lions, il y avait beaucoup de concurrence. Attention avec. Oh là là, elle s'est carrément déchirée dans son centre. Et pourtant elle avait bien levé la tête, Lamine Mana. C'est ce qui arrive parce que là la rencontre, elle est quand même serrée, Marc. Ce qui fait qu'elle manque de lucidité. On ne retrouve donc pas la vivacité et la préciosité de ces attaquants de FAP Amazon face aux autres équipes, du moins lors des précédentes journées. Aujourd'hui, elles ont du mal à se concentrer. Et une fois de plus, quand on regarde ces centres complètement topés de Lamine Néné, pourtant elle avait la possibilité de foncer même encore dans la surface. Pourquoi pas aller chercher la faute? Au contraire, chez ballon en profondeur, ça ne passe pas. Attention, il y a beaucoup d'imprécisions. De la part de Louvre Mimprof, surtout dans cette fin de première période, on peut comprendre que les organismes sont entamés, sont un peu essoufflés. Il y a eu beaucoup d'intensité des deux côtés. Allez, Mbozomo, le centre, deuxième poteau et le retour, dégagement de Marie Lokong. Mbozomo, ouais, pied levé. Et Chalène Meillon, ça donne un coup franc, carton jaune sorti, c'est... Peut-être c'est l'ensemble des fautes, peut-être, parce que j'ai l'impression que c'est sévère. Il était quand même aussi très haut le pied, Marc. Très très haut.
et surtout sur l'intelligente Tiami Brigitte Mbomozomi Ivana. Elle aussi très très technique, formée par le coach Oudou du côté de AS Lifa. Elle a quand même aussi représenté les couleurs du Cameroun aux Jeux Olympiques de la Jeunesse du côté de Buenos Aires. Donc vous pouvez comprendre pourquoi elle est là aujourd'hui. Attention à excellent ballon de Brigitte en bout de deuxième poteau, Mengele ! Oh le poteau ! Oh le poteau sur la plus grosse occasion de cette fin de première période. Elle doit s'en mordre les doigts. Qui permet à Louvre Pauvre de rester dans le match sur cette tête de Kataïn Bengono. Ouais, c'était très bien parti. Belle lecture de jeu. Et là, Ange Baou qui n'a pas pris le temps de lire la trajectoire de ce ballon. Il y va. Voilà, une seule minute de temps additionnel. On va suivre le corner. Très mal joué. Quelle occasion. La réalisation va nous repasser cette action. Collins va nous donner cette opportunité avec ce long ballon de Brigitte Mboudou qui a trouvé seul au deuxième poteau, comme ça n'arrive jamais dans une défense de Doumin Prof. Bengono de la tête n'a pas trouvé le cadre, elle a trouvé le montant. Sa tête n'est pas cadrée parce que tout tir sur le poteau n'est pas cadré. Malheureusement. Et vous avez noté que la gardienne Ange Barou était vraiment en retard. Très en retard, parce qu'à même pourtant le tir il est parti de très loin, elle avait tout son temps. C'est pourquoi il faut souvent être attentif pour éviter de prendre ce genre de but. Parce que là, un but en toute fin de première mi-temps, ça fait mal. Et ça met vraiment le moral à zéro. C'est la pause ici au stade Annexe 1 Omnisport de Yaoundé. Amazon FAP, le leader, tenu en échec pour l'instant par son dauphin. 0-0 après les 45 premières minutes. Et trois occasions nettes de but pour Amazon FAP, mais toujours pas de but. Côté Louvre Prof, ce sont des occasions, mais beaucoup plus des approximations. Mais des occasions nettes de but, c'est Amazon FAP qui l'a eu, le leader, et qui n'a toujours pas concrétisé. C'était déjà le cas il y a quelques jours à Bamenda face à Vision Sport. Que faire pour les 45 prochaines minutes, Junior Sosos? Et la part des deux entraîneurs, Mike Ndoumou de Amazon FAP et Odou Mpoumier, l'entraîneur de Louvre Prof. Trois grosses occasions qui sont quand même parties dans le dos de la défense des Louvre Prof. Il va donc falloir peut-être densifier le milieu de terrain des FAP Amazon qui quand même a perdu certaines joueuses. Pourquoi pas repasser en 4-4-2 pour essayer d'aller cueillir cette équipe de Louvre Prof dans ses derniers retranchements. Et du côté des Louvre Prof avec le coach Doux, il va falloir aussi travailler cette transition là parce qu'on a compris que celle qui était le dépôt et qui devait déclencher les actions offensives des Louvre Prof, c'est Charlène Meyer-Ménéné. Et le coach Mike Ndoumou l'a compris, vous l'avez vu. Elle est quand même encadrée par 3-4 joueuses de FAP Amazon. Donc il va falloir se réinventer pour essayer de rééquilibrer cette rencontre qui, quand même jusqu'ici, a manqué beaucoup de beauté. Ouais, allez, les joueuses qui vont rentrer donc au vestiaire après les 45 premières minutes de cette belle affiche, de ce duel de haut tableau, le leader. Il y a un échec par son second. Deux points d'écart toujours entre les deux formations. La Guinness Super League, c'est ce qu'on a de mieux cet après-midi. Et son direct sur Canal 2. Vous avez l'antenne à Douala, Mathieu Fangwa et Emin Maï pour revenir sur ces 45 premières minutes de Guinness Super League. À vous l'antenne à Douala. Voilà, enfin. Je suis prête, allons-y. Non, je me suis salie en venant. Tu n'avais pas de serviette? Elle a une fuite. Il faut utiliser les vraies serviettes, surtout celles en coton. Moi, j'utilise Tiop. Jamais de fuite malgré mon flux abondant. Pas de démangeaison. Zéro irritation et aucune odeur. De quel pays t'envoie-t-on tes Tiop? Mais elles sont en vente partout. J'achète les miennes chez Amadou. J'ai fait de Tiof mon allié au quotidien et plus rien ne nous arrête. Désormais, notre allié au quotidien. La serviette hygiénique Tiof est une serviette disponible en flux normal et flux abondant. Tiof, notre allié au quotidien et rien ne nous arrête.
Zéro but partout entre la formation de Amazon FAB de Yaoundé et Louvre Mimprof. C'est l'affiche de la 9e journée de la Guinée Super League qui se dispute sur les antennes de Canal International. Et pour disséquer et revenir sur les 45 premières minutes, toujours en compagnie d'Emine Maï, la voix qui compte en ce qui concerne le football féminin ou le foot plus précisément. Emine, c'est un match de haut niveau que vient de nous offrir Amazon FAB et Louvre Mimprof là. Oui, disons-le. Même s'il n'y a pas de but. Déjà, c'est une première depuis l'arrivée de Guinness dans ce championnat avec le concept de top match ou alors super match, comme ils l'ont dénommé. C'est la première fois que sur la 2, nous faisons un super match sans but à la mi-temps. À la première mi-temps. Ouais. Justement, c'est une première et justement, c'est pour illustrer la qualité des équipes qui s'affrontent cet après-midi. Ouais. Voyez-vous, on a eu 45 minutes d'autres factures, il faut le dire, avec beaucoup d'impact physique. Ouais. Une équipe de Louvre qui est vite rentrée comme ça et allée à l'abordage, histoire de chercher son adversaire. On a vu justement, derrière les premières entames du match, se manquer, venant justement de l'attaquante de Louvre Mimprof qui est passée à côté justement du but, comme ça, des cages de Annette Gondom cet après-midi. Et par la suite, on a eu cette réaction de FAB Amazon avec ce piqué de Bengono qui malheureusement une fois de plus n'a pas trouvé le cadre avec la très bonne sortie des buts de Ange Baou, histoire de fermer les angles et de ne pas pouvoir justement permettre à l'attaquante d'avoir la tâche aisée. Donc on a assisté à une très très belle rencontre, disons 45 bonnes premières minutes avec deux équipes qui ont une assise technique et tactique bien élaborée, et on a vu même dans des dispositifs, des replacements, surtout au niveau de Louvre Mimprof, où on a vu justement une Omboudou qui est habituée généralement à l'axe central, aujourd'hui venue suppléer au niveau du milieu de terrain, histoire de donner un peu plus d'espace et de jeu comme ça à une joueuse comme Charlène Meillon-Menene, mais malheureusement qui est aujourd'hui justement surveillée à la loupe, et serait certainement le lieu ici de dire qu'elle joue véritablement contre les FAB Amazon, c'est-à-dire les forces armée et police, justement, et c'est certainement pourquoi elle est autant surveillée cet après-midi. Une Charlène Meillon, comme du lait sur le feu, une Charlène Meillon-Menene qui, pour l'anecdote également, aujourd'hui aborde le capitanat de l'équipe. Est-ce justement ça qui permet aujourd'hui que l'on ne la voie pas à son haut niveau, à son grand niveau? Moi, je pourrais dire que le coach Poumier, sur ce coup, moi, je pense, d'une certaine manière un peu mis du poids sur la personne de Meillon Menene. Vous savez, quand vous avez beaucoup responsabilité. Voilà, quand, parce que j'ai bien aimé, parce que ça sonne comme l'image d'une fille qui voudrait aujourd'hui se dire je suis justement celle qui est la vedette de Louvre Mimprof et qui pourrait d'une certaine manière, comme on dit généralement au quartier, acheter le match, c'est-à-dire le prendre sous mon compte, histoire de montrer parce au monde entier. Voilà, parce qu'il s'agit quand même de moi, un lion indomptable, pratiquement deux Coupes du Monde, beaucoup de cannes à son actif et de merveilles. Et quand on a une assiste technique et une justesse dans le jeu qu'on peut l'avoir Meillon Menene, je me rappelle encore de cette passe, mais alors un bijou de passe, et c'était toujours lors d'un top match ici contre l'équipe d'Éclair de Sa. Justement pour dire quelle est la justesse technique dont peut faire preuve une joueuse de ce gabarit aujourd'hui. Moi, j'ai pensé que ça mettait un peu trop de pression à la fille qui, pour le cas, n'avait pas besoin justement qu'on lui rappelât quelle est la vedette de cette équipe de Louvre Mimprof. C'est tout connu, tout le monde le sait. J'aurais voulu que l'on la déresponsabilise un peu, disons-le de cette manière, et qu'on lui dise, mais vas-y, allez, va t'amuser, joue au football parce que c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu aime faire, prend les espaces, occupe-les de manière favorable et soit libre justement de jouer. Mais quand vous abordez déjà le capitaine, vous savez que vous avez la charge et la veille pratiquement de toute l'équipe, vous avez une vue
panoramique sur votre effectif. Vous êtes celle-là qui a le coup d'œil un peu partout, qui doit veiller au grain lorsqu'il y a des coups de sifflet, des échauffourées, qui, à un moment donné, est obligée de rappeler les troupes pour les replacements en dispositif tactique. Justement, parce que ça chauffe à l'intérieur. Exactement, parce que c'est à ça que sert la capitaine. Mais cet après-midi, je pense que cette responsabilité est un peu de trop, surtout pour une rencontre pareille. J'aurais préféré qu'on laisse ça une fois de plus, comme cela a été depuis le début du championnat, Meillon, aussi libre que cela et pouvoir véritablement s'amuser. Parce qu'après, à côté, il n'y a pas quand même des enfants de cœur. Vous avez bien vu aujourd'hui que Izzy Sonkin n'aborde pas le capitanat, mais sur l'axe, la ligne centre défensive, elle est de tout, justement, de toutes les actions. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux qui est mis et une bataille physique où se livrent véritablement les jeunes dames cet après-midi. Est-ce que quand on joue ce genre de match où on est leader face au second, dans la tête, on joue plus l'enjeu ou on joue les trois points? L'enjeu parce qu'il faut éviter hein, de se faire distancer au classement en cas de défaite. Bien évidemment, vous savez déjà qu'il y a aujourd'hui deux points qui séparent Fab de son dauphin. Ouais. Et se dire qu'aujourd'hui, si on passait justement par une défaite, ce serait 5 points d'écart. Mais si ça commence à devenir grand. Mais justement, dans c'est un championnat qui est non, mais c'est non parce qui, que après qui n'est pas long. Hein. Oui, qui n'est pas long du tout. Et quand même, vous perdez, il y a un fossé, ça se voit. Oui, qui, au-delà de ne pas être long, quand vous regardez quand même vos vis-à-vis, les adversaires directs, ceux-là que l'on est censé rencontrer, Louf a quand même quelque part dans un coin de sa tête que l'adversaire majeur et principal, c'est Fab de Yaoundé. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, s'il faut laisser Fab creuser l'écart, ce serait pas... Il n'y a peut-être pas le temps de faire son retard. Exactement, parce qu'après, à la phase de retour, si on advenait après contre les forces armées et police, il y a 5 points déjà. Même si à la phase de retour, on arrivait justement à gagner cette équipe, il y aurait toujours justement ce reliquat de 2 points qui manquerait au décompte final. Donc, se dire aujourd'hui que dans les petits calculs, Louf se dit peut-être on n'ira pas perdre, on fera au minimum match nul. Ce qui fera 3 points. Et sinon, la prochaine journée, ou alors à la phase retour, on prépare la rencontre de telle manière à aller damer le pion à son adversaire. Et pourquoi pas maintenant, dans le décompte total, avec les confrontations directes, au-delà des différents goals à verrage, on pourrait passer à être champion. Donc je pense qu'il y a ce petit calcul qui est trop quelque part dans la tête de l'encadrement technique de Louf Miprov. On parlera de l'enjeu des 45 prochaines minutes dans un instant. Mais Hermine, avec ta permission, je veux qu'on s'intéresse à celle qu'on considère comme l'une des meilleures joueuses de ces 45 premières minutes côté FAP Amazon, Catherine Bengono, qui a mis le ballon sur la barre transversale en fin de première période. Ouais, un peu surprise que ça ne se passe pas bien pour elle face à une défense qui se regroupe plutôt bien et qui veille au grain. Disons-le, malheureusement pour Bengono, c'est pas passé cette première mi-temps. Une très belle action, elle trouve le poteau. Il n'y a pas de chance c'est cet après-midi. Mais je crois qu'elle va juste se dire qu'il va falloir remettre ça pour la seconde période. C'est une attaquante, c'est une joueuse que l'on a beaucoup vue cet après-midi, qui a beaucoup cherché. On a vu même les permutations avec Mana du côté de l'attaque, histoire de se dire, voilà, si ça n'a pas marché à gauche, il faut permuter justement du côté droit pour essayer de trouver la solution. Mais malheureusement, c'est passé par le poteau dans les 40e premières minutes. On espère justement voir de très, très belles choses. Et je crois qu'il y a aussi la riposte, ce côté Louf Miprov, avec d'un côté Ngobak Batoum qui se bat pas mal, qui donne tout. Ouais. Mais malheureusement, un peu trop scellé de ce côté. Il y a une absence véritablement remarquable cet après-midi lors des premières 45 minutes du joueur comme Ghislaine Kou, qui manque véritablement, et j'aimerais véritablement qu'elle puisse se réveiller pour essayer de suppléer aux différents efforts que fournit Ngobak Batoum sur le plan de l'attaque, parce qu'il faut le dire, la bataille tactique de cette rencontre et l'enjeu se joue beaucoup plus au milieu de terrain où on a dû véritablement resserrer les lignes. Et on l'a dit, quand hier ouvrait un boudou en l'arc central, aujourd'hui remonté au milieu de terrain par le coach, c'est-à-dire qu'il compte justement au-delà de sa ferveur, la qualité et de son expérience justement pour pouvoir d'une certaine manière stabiliser ce milieu de terrain au niveau de la récupération et se projeter facilement vers l'avant. Mais c'est contrôlé également de l'autre côté avec des joueuses comme Ebongé qui n'y vont pas de même
terrain mort. Donc, du coup, la bataille tactique, lorsqu'elle sera gagnée au milieu de terrain par une équipe, se dégagera facilement, justement, celle qui pourrait trouver les filets. On rappelle que c'est le leader contre son dauphin. Deux points de quart, ce n'est pas les deux équipes. Louvre-Mimprof qui affronte la formation de FAP, Amazon FAP de Yaoundé. Hermine Maï, dans un instant, on prend la direction des Yaoundé, mais je veux qu'on s'intéresse à ce qui pourrait se passer durant les 45 prochaines minutes. C'est quoi? On reste sur l'enjeu, éviter de ne pas perdre, on reste sur un zéro but partout. Ce genre de match, c'est quoi? C'est le premier à marquer qui s'impose? Oui. Compte tenu du contexte de la rencontre et la qualité du jeu? Disons que dans le cas échéant, celui qui prendra rapidement l'avantage à la marque aura de fortes chances justement de pouvoir gagner la rencontre. Et j'aimerais bien voir hein, une équipe de FAP aujourd'hui dans cette réaction au niveau justement du fait qu'elle soit menée à la marque contre une équipe comme Louvre-Mimprof. Quelles sont les différentes solutions que nous proposera peut-être la coach Mike Ndoumou? Mais côté FAP, si j'avais quelque chose à dire, il va falloir, côté Louvre, pour, autant pour moi, que les joueurs se décryptent un peu. Parce que là, il y a véritablement que l'enjeu... C'est pas l'enjeu? Oui, l'enjeu justement prend une fois de plus le dessus sur le jeu. Ouais. Et pour pouvoir justement se donner à son meilleur niveau, pour pouvoir justement s'amuser lors des 45 dernières minutes, il va falloir décrisper et essayer véritablement de jouer à son jeu, que l'on se détache et se débarrasse de toute cette pression, parce qu'il y a énormément de pression. C'est pour cela qu'on a pu assister justement à des petits manqués et voir beaucoup plus hein, des duels physiques dominés sur, véritablement sur la rencontre. Mais quand on connaît la justesse technique et tactique de ces filles en ce qui concerne le jeu, il va falloir d'une certaine manière, moi je pense, pour avoir regardé les 45 premières minutes, qu'elles se décrispent un peu et qu'elles jouent véritablement au football. Merci Amine. Dans un instant, on prend la direction de Yaoundé en rappelant que la rencontre compte pour la 9e journée de la Guinée Super League. Le match met aux prises Amazon FAP de Yaoundé face à Louvre-Mimprof. On va prendre la direction de Yaoundé pour passer la main à Marc Choimot qui est du côté du stade annexe de Yaoundé. A tout de suite. Retour au stade annexe 1 Omnisport de Yaoundé pour la suite de cette rencontre entre Amazon FAP et Louvre-Mimprof. Louvre en rouge, Amazon FAP sur le ballon, et c'est pas pour les 45 dernières minutes de ce duel de haut tableau entre le leader et son dauphin. Et la balle au profit du dauphin Louvre-Mimprof avec ses 22 points en 8 matchs. Tenant du titre qui doit à tout prix refaire son retard sur son vis-à-vis. Bon après-midi de nouveau, Junior Soso. Ouais. Marc, c'est l'ultime mi-temps pour retrouver une solution dans cette rencontre. Soit les Louvre-Mimprof passent devant, soit les FAP Amazon font tout pour conserver leur trône jusqu'ici. Donc, il va falloir se surpasser pour aller trouver le cadre soit d'Annette Ngondom ou encore d'Ange Baou. Et pour le moment, ça commence comme à la première période. Il n'y a surtout pas eu de changement à la pause. Attention à cette extérieure de Ghislaine Kou. Ça revient au deuxième poteau. La frappe du gauche, c'est contré. Et il y a une faute signalée par l'arbitre. L'arbitre qui avait déjà été décrié lors de son dernier match. Caïman et Dingfi à Douala. Avec ce but accordé à Caïman Fi, il semblait-il été problématique. Elle n'avait pas tremblé hein, pour désigner le centre. Bah, ça peut arriver. Mmh. On n'est pas tout le temps meilleur. Passer à ce ballon avec peine. Dégagé. Accélération côté gauche. Et la montée. Il doit être à le centre. Il est très long. Il est très long. Pour Ghislaine Kou et son maître 58. Et pourtant, elle pouvait temporiser, revenir au milieu du terrain pour permettre à Kou Ghislaine d'élargir un peu plus le jeu. Mais là, elle a préféré une passe un peu plus directe. Et pourtant, Kou n'avait pas encore réellement pris l'information pour arriver à temps. Et là, ça file en 5 m50. Il va falloir faire mieux que cela. Ah là, il y a une faute.
4-4 rythme Ngono quand même, sur le coup quand même. Bah, elle a quand même baissé la tête. Elle a baissé la tête à ce niveau-là, mais bon, la décision de l'arbitre, elle est prise. Elle est quand même autoritaire. On l'a vu du côté de Douala. Elle a pris sa décision. Et une nouvelle fois, elle décide de mener son bateau tel qu'elle le souhaite. Ça revient, ne recule pas, dribble ne passe pas, récupération sans Keng. Avec tout le ballon d'Izzy, c'est Keng. Attention avec cette accélération côté droit de Lamine Mana. Lamine Mana va en dribble, Lamine Mana face à Tchadja. L'expérience de Dolores. Ouh là là, le petit pont, ça passe pas aussi. Tchadja reste debout, elle aura la faute pour elle. Elle aura la faute pour elle. Le premier contrôle, il est mauvais, très très mauvais. Puisque quand un ballon vient comme ça en force, il faut lui donner un sens directement. Le fait qu'elle temporise d'abord, on ne peut pas quand même aller chercher Dolores Tchadja dans ce périmètre-là. Elle est intraitable, elle est imprenable. Et vous avez vu l'autorité avec laquelle elle a récupéré ce ballon. Et puis voilà, Lamine Néné est obligée de faire la faute derrière. Remise en jeu, Louvre prend tout son temps avec Dolores Tchadja alors qu'on a envoyé des joueuses à l'échauffement côté Doumimpov, un changement qui va arriver dans quelques secondes. Côté Doumimpov, c'est finalement à la fin de talon de Meillon, ballon récupéré par le leader à décider en tout cas. Ça va quand même permettre à cette équipe des Louvre Minprof d'être très très compacte au milieu du terrain avec l'entrée. On va choisir l'entraîneur Oudou Poumier, l'entraîneur de 41 ans qui est au club depuis 2012. Voilà. Comme adjoint et père au poste de 2014. Avec lui, on va gagner plusieurs championnats. 6 championnats pour ici. C'est un coach assez expérimenté. Il est très jeune. Il a 41 ans, quand vous le voyez physiquement, il paraît avoir 32 ans. Ah ouais, c'est quand même un des meilleurs de sa génération, ça il faut le dire. Gagner 6 titres en 7 ans, ça il faut le faire. Ouais. Et si on n'avait même pas interrompu le championnat de 2017, puisqu'il était côte à côte avec l'équipe de Caïman de Douala, ça pouvait une nouvelle fois être une de ses conquêtes. 2016, pour être précis, il avait été remporté par Amazon FAP. Ouais. 2016, il avait laissé filer de tout. Pour l'heure, son bilan est plus que correct. Par quelques... Il a 6 titres de champion, 5 titres de Coupe du Cameroun. En 2014, il a fait le doublé championnat Coupe. Et c'est lui qui est fortuné dans un changement de pas et d'autre. Sortie numéro 15, Viviane Mefiré-Péka. Entrée numéro 23, Vanessa Noël, Kyomélie Ndjomo. Quand même, une opposition, quand même, Marc Chouameau. L'entrée de Eto, c'est-à-dire un changement plus offensif, alors que Vanessa Ndjomo, elle, c'est quand même un 6, un milieu défensif. Donc, ouais. Mais sauf que Mefiré-Péka, c'est un peu plus difficile parce qu'elle sort là d'une blessure. Et vous avez vu, dans ce match, elle a été passive, pas très, très importante à la récupération. Et elle était battue à chaque fois par Ombudu. Il y a également un changement à Amazon FAP. Ouais. On aura des précisions tout à l'heure. On a parlé d'Eto. Eto qui rentre. Vous voyez que le coach Mike, elle veut marquer. Elle veut conserver son trône. Elle n'a pas peur de ce qui peut arriver derrière. Elle fait confiance à sa ligne offensive. Elle a un petit gâteau, c'est ça? Ouais. 50e minute de jeu. Et Eto. A signalé également Naomi. Le changement du côté de Lovinkov, la sortie du numéro 10 Nana Lamine et l'entrée du numéro 11 Naomi Leslie Eto.
Bien sûr, Amazon FAP. Ouais. On a fait tout au poste de part et d'autre, donc on va regarder le même. Le même 4-3 de part et d'autre. Il doit rester déjà le centre. Ballon dégagé par Ivana Mbomozomo. Fait quand même un travail assez énorme une fois de plus cet après-midi. La récupération, elle est là. Elle essaye de tout faire. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas comprises, les deux joueuses. Et ce sera un corner qui peut profiter à. Une nouvelle fois, ce manque de communication. C'est sur ces gens d'erreur qu'elles avaient pris le but contre l'équipe de Renaissance Romain de Guider. Parce que là, il faut parler. On a quand même deux joueuses qui ont déjà roulé leur bosse dans ce football féminin. Elles sont sorties et revenues. Donc, elles sont censées encadrer leur petite sœur. Allez, le corner. Allez, la gauche vers la droite. Et qui se centre. Oh, ouais. Il est un peu haut, même si j'ai l'impression qu'il a une tête un peu baissée quand même. Et David a signalé la faute au profit leader Amazon FAP. Avec Nanen Gondom qui va laisser le soin à Isis Sonkeng. Les internationales camerounaises. Le dégagement d'Isis. Ce qui est toujours avec la sélection de temps en temps. Ce n'est plus le cas de Gondom depuis l'après la Coupe du Monde. Le cas depuis que Alain Diouf a pris l'équipe, elle n'y est plus depuis plus d'un an. Bah, il fallait d'abord assurer la maternité et elle est en train de revenir petit à petit. Jamais elle n'a dit qu'elle arrêtait. Donc, voilà. Même avant maternité, elle avait déjà un petit conflit avec le sélectionneur dans des éliminatoires des Jeux Olympiques 2020. Et on espère bien que ses coéquipières qui restent en compétition, qui essayent de défendre les couleurs du Cameroun, vont pouvoir se qualifier. C'est quand même tout le mal qu'on souhaite à ces jeunes joueuses. Oh. Allez. Il y a quand même cette sortie approximative d'Annette Ngondom. Une relance en plein axe. Ça aurait pu faire mouche. Heureusement qu'il n'y avait aucune joueuse des Louvre Minprof à la retombée de la balle pour relancer le missile. Ouais, il y a des joueuses qui sont restées au sol. Quel temps d'arrêt. On parle de cette formation de Louvre Minprof qui joue en rouge et blanc aujourd'hui. Équipe fondée en 1989. Équipe 15 fois championne du Cameroun. A rejoint au tableau haut du palmarès le canon fille de Yaoundé qui a gagné 15 fois ce championnat, mais ça date de belle lurette maintenant. Le canon fille, c'est Louvre Minprof qui a un peu sa suprématie depuis au moins 10 ans dans ce championnat féminin au Cameroun. Ouais. C'est un gros travail de longue haleine qui est soutenu par le ministère de la femme et de la famille. Un management à respecter quand même, parce que vous partez des Louvre Minaskov dans les années 90 où on avait pratiquement des personnes âgées de 35-40 ans. De la famille, ouais. Et depuis la nationalisation de ce football féminin en 2008, ça fait boum, elles gouvernent tout et elles sont au top. Dégagé par Ghislaine Kou, Charlène Meyong. Elle est bien bloquée là par Brigitte Amboudou. Oh là là, Brigitte Amboudou qui a mis elle a tendu ce pied. Moi j'aurais sifflé parce ce geste est très dangereux et l'arbitre a laissé jouer. Brigitte Amboudou a présenté le plat du pied avec ses crampons et la joueuse de Louvre Minprof s'est sûrement fait mal. Elle a présenté carrément. C'est pourquoi. C'est doit être une faute là. C'est Ghislaine Nkou, on appelle les soigneurs. Moi je reproche souvent cette attitude aux arbitres de ce football féminin. Elles sont très loin. Marc Chouamou. Cet acte là de la part de Brigitte Amboudou. Internationale camerounaise, milieu de terrain défensif. C'est Ghislaine Kou qui reste au sort. Ghislaine Kou qui prend 4 buts cette saison déjà.
des meilleures buteuses de Loubimpov, deuxième meilleure buteuse du club. Ça, il faut le dire. Qui a marqué lors du dernier match. Lundi dernier, face à Canonfi, je crois. Un match avancé de la 12e journée. Bah, c'est le doublé de Ndomé. Ah, Ndomé quand même. Doublé d'Elise Ndomé. Elle a marqué plutôt dans la 7e journée. Ouais. C'est... La 7e journée. Non, avant la trêve. Avant la trêve, je pense. Contre Vigeon. Ouais. Un magnifique doublé quand même. Avec un but de. Également, il y avait un but de Charlène Meillon. Elise Ndomé, vous parlez de son doublé lors du match de lundi. Elle a su le banc de touche, la jeune joueuse venue de Douala. Être nationale U17. Elle habite, va laisser cette main. Il y a une faute là, c'est manifeste, la faute de Marie Lorcong. C'est un vrai derby. Et Benien, c'est un vrai choc, c'est un vrai derby. En termes d'intensité, on n'est pas quand même déçu. Ne fait pas de cadeau. Ouais. Pas de cadeau par quartier. Avec ce ballon qui pouvait être assez dangereux. On sait qu'on a déjà inscrit des buts comme ça cette saison dans le championnat féminin. Vous voyez un ballon anodin, après, il est dans les buts. Et surtout quand ça vient de Doudou, qui il faut aussi beaucoup féliciter. Elle est aussi reconnue comme cette ailier gauche qui peut aller faire mal au camp adverse. Mais cette année, elle a été repositionnée comme latérale. Et elle assure très 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 bien dans ce poste jusqu'ici. Accélération, Gisèle Nkou qui s'est levé, le bon retour. Voilà. Le bon retour, il part de bon moment. Ça fait bien son match, hein. La joueuse Ivana Mbomozomo, elle ratisse bien dans ce milieu de terrain. C'est une des raisons pourquoi elle a été recrutée par le coach Mike Ndoumou. C'est quand même malheureux de l'avoir laissée filer du côté des Ding, parce qu'elle était très très précieuse de ce côté-là, et elle est partie. Et ça fait mal. Vous avez regardé le premier match, on avait du mal à trouver la stabilité au milieu de terrain. Et un style de jeu qui ne permet pas à la Brésilienne Roliana. Là deux pour récupérer ce ballon. Domin Prof aussi. La touche sera pour les visiteuses. Jeu rapidement par Sim. Dégagement de Mafo. Ça revient, on se rend coup pour coup. Hein. Dans ce match. Ah là là, le sombrero tenté par Ebenier. Ça passe pas. Récupération Shannon Meyong. Pour montrer que c'est elle la patronne. Sim vers Vincou. Elle est seule, elle peut lever la tête, elle a tout son temps pour ajuster le centre. La déviation, c'est le second poteau. La récupération d'Adama, Raïssa Adama au duel. Elle s'appuie sur Dolores Tchadja, la passe contrée. Tchadja qui commet la faute. Faute commise sur la nouvelle entrante, Naomi Eto. Eto avec un seul O. Pour être précis, bien sûr. Est-ce qu'elle va se transformer en Pichichi? Là, tu sais quoi, Sean. Mais sauf qu'elle le fait assez bien. Quand même, un match contre le Canon, elle entre en deuxième période. Elle marque contre l'équipe de Renaissance Humaine de Guidère. Elle entre à la deuxième période. Elle fait un doublé. Encore dernièrement à Bamenda. C'est elle qui sauve Bamenda. Avec ce ballon mis en touche. Mais sauf que depuis qu'elle est entrée, on ne l'a pas encore vue en situation. C'est un peu très compliqué cet après-midi. Le début de seconde période prend du temps à se lancer véritablement. Qu'on a atteint la demi-heure, l'heure de jeu déjà. Déjà plus de 60 minutes de jeu dans ce match. Ouais. Ange Baou, la gardienne titulaire des Lions Indomptables qui balance au loin. Allez, Omboudou qui va perdre ce ballon, on va tenter un lobe lointain de la part de Charlène Meyong. Ça va filer très très loin des cages. C'est quand même un peu gourmand de sa part. Oui, elle a vu la gardienne avancer, elle a voulu tenter le lobe. C'est la patronne, c'est le leader terni de l'équipe. Quand ça coince comme ça, on se remet à elle. Il faut aussi savoir prendre ses responsabilités, Junior. Sinon, on va vous dire que vous êtes passé à côté, vous avez été fantomatique. Le cas pour l'instant, bah vrai, pour l'instant c'est ça, elle n'a pas encore frappé au but, elle n'a pas encore cadré le début du match. Bon, offensivement, ce n'est pas encore ça de la part de Chalen, mais on attend mieux de sa part. Ces matchs ont toujours été presque pareils. Elle trouve toujours un déclic dans une position. On s'attend le moins et puis voilà, elle te sort une passe lumineuse ou encore une frappe pour prendre en compte ses adversaires. Et donc contre le Doudou, même si elle a... Et de la remise en jeu. Ambodo.
pardon, c'était Ibenye pour Sokeng qui dégage. Envoyé par Dolores. Ça traîne. Ibenye. Attention avec ce ballon. Pourquoi pas ici? Allez, à position. A substitution bref, Louvre Prof, where the GC number 17, Gislaine, Larissa Kou is going out, GC number 9 is coming in, Alice Mbella. Allez, un autre changement côté Louvre Prof. Sortie numéro 17, Gislaine Odile Larissa Nkou, entrée numéro 9, Elise Ndome Mbella. Voilà, on a lancé le joker, Elise Ndome, double buteuse lundi dernier en match avancé de la 12e journée. Qui remplace Nkou qui n'a pas résisté au coup de tout à l'heure, Ghislaine Nkou. Elle est remplacée logiquement par Elise Ndome. La vitesse. Difficile quand même sur ce côté. On n'a pas pu profiter de sa vitesse sur le côté. Aujourd'hui, Nkou Ghislaine, elle a été complètement muselée par Doudou Ousmanou qui prête quand même très très bien. Dans cette équipe des FAP Amazon, depuis un bon bout de temps, il faudrait dire qu'elle a insufflé une nouvelle dynamique dans cette équipe, le coach Mike. Songkeng, Doudou, c'est une remise en jeu. Et la jeune Elise Ndome qui s'intègre petit à petit dans cette équipe de Lumim Prof. C'est une équipe qui joue le grand rôle dans le championnat. Donc, arriver ici, essayer d'être titulaire, ce n'est pas évident. Mais chaque fois qu'elle a l'occasion d'entrer en jeu, elle est. Elle se signale. D'ailleurs, lundi dernier, le coach Poumier lui a donné du temps de jeu. Elle a marqué un doublé. Il espère avoir plus de réussite encore. Bon retour de la part de Raissa Adama. Il faut dégager ce ballon. C'est fait. Le prolongement vers Elise Ndome. Le premier contrôle d'Elise Ndome avec cette passe en retrait. Le 1-2, pourquoi pas. Le contrôle de Toutab qui peut lancer. Elise Ndome peut mettre dans la profondeur. Elle est passée. Elise Ndome qui peut prendre tout son temps. Elise Ndome dans la surface de centre. Deuxième poteau. Et ils se sont gênés. La frappe derrière. Ils sont fait venir. Oui. Signé Charlène Meillon, Medana, ça fait 1-0 pour l'Ofmi Prof. On l'a dit, but inscrit à la 65e minute de jeu et on peut danser. Peut-être ça va lancer le match, Junior. Non, le match est lancé, vous avez compris, avec l'entrée de Elise Ndome. C'est très bon ballon donné dans le bon tempo. Elle ne se précipite pas, elle fait un très bon sans-clé. Mauvaise communication entre les joueurs des FAP Amazon. Meillon, Charlène Meillon n'a plus que les goals presque vides pour s'offrir cette ouverture du score. Et ça fait 1-0. Elle a finalement été précieuse, Charlène Meillon. Puis, repetita pour Charlène Meillon, Meneneux, qui avait marqué au match aller la saison dernière lors de la victoire 4-2 de Louvre sur Amazon FAP. Elle récidive encore aujourd'hui. Elle a profité surtout de cette erreur entre la gardienne Ngondom et sa défenseur. Mafo, on va revoir ce moment, ce but. Merci à la réalisation de Collins Wantouan. Et puis pour ce ralenti, merci également à Giovanni pour les habillages et à Flaubert pour la diffusion en direct sur internet. Mais, que dit l'arbitre assistant? Oh non. Que dit l'arbitre assistante au central? Elle va annuler ce but. Pour hors-jeu. But annulé. But annulé finalement. L'arbitre n'a pas voulu commettre la même erreur qu'à Douala lors du match Caïman et Edding où elle n'avait pas tenu compte de son assistante. Là, elle allait voir l'assistante et le but a été annulé. Zéro but partout. Max Chouameau, il faut quand même dire qu'à cette position, le ballon est renvoyé par la défense des FAP Amazon. Oui, ça veut dire que voilà, elle est quand même libre. Elle est remise dans le jeu. Effectivement. C'est compliqué. On va revoir. Attention, Louvre prend part à l'offensive avec Elise Ndome toujours. Peut-être au centre, la joueuse pouvait être en position illicite, mais lorsque le ballon est renvoyé par la gardienne Ngondom, elle remet le ballon dans le jeu. Bah effectivement, est dans le jeu après. C'est quand même assez compliqué. Ouais, ça, deux matchs de suite comme ça pour cet arbitre, deux matchs. Et puis. Avec beaucoup de polémiques, on aurait pu s'en passer. Attention, Lumim Prof n'a pas dit son dernier mot. Ce but était très important parce que Lumim Prof passait mathématiquement au classement devant Amazon. C'est un but qui peut compter. Attention avec ce nouveau centre en retrait. Ça revient avec cette frappe du plat du pied au-dessus. Charlène Meillon a moins de chance cette fois. Bah, ça est-ce qu'on peut se coordonner avec la réalisation pour avoir justement
ce ralenti, ça sera fait. Il va remettre encore ce ralenti parce que sur cette action, on a justement l'impression que sur ce but, elle est remise dans le jeu. Et par Annette Ndondo, les joueuses, ouais. Par la mésentente entre la gardienne Ndondo et sa défenseur. Ouais, ça se complique quand même. Ça se complique quand même ces genres de décisions quand on sait que voilà, le match avait déjà pris toute une autre tournure. Oh, ça se complique quand même. Mais pour le moment, il y a encore du temps pour aller chercher cette ouverture du score, Marc Chouamo. Oh là là. Cette action litigieuse va continuer de faire parler et ça continue de faire parler dans les tribunes du stade annexe 1 Omnisport de Yaoundé. L'assistante à l'image, c'est elle qui a signalé ce but en position d'hors-jeu. Elle a pris ses responsabilités et l'arbitre n'a pas voulu faire la fine bouche. Alors qu'on a revu encore au centre de tout à l'heure, je ne vois particulièrement pas où il y avait hors-jeu. Peut-être sur la passe en profondeur, sur la ligne domaine. Là, oui, il y aurait hors-jeu. Je crois que c'est certainement ça qui est arrivé, Junior. C'est lorsqu'on a mis en profondeur la ligne domaine et l'assistante a estimé qu'elle était hors-jeu. Parce que Chalène, elle, n'est pas hors-jeu sur le centre d'un domaine. C'est certainement domaine, la passeuse, sur ce but qui était hors-jeu lorsqu'on l'a mis en évidence sur le côté. Et à cette position, elle n'influence pas quand même cette action, Max. Oui, non, je dis lorsqu'on a donné la passe en profondeur à Élise Domain, s'il y a hors-jeu, c'est sur elle qui doit avoir hors-jeu en principe. On va revoir encore l'action. Si la défense était bien alignée, mais je crois que l'assistante a levé le drapeau depuis pour signaler qu'il y avait hors-jeu sur l'appel d'Élise Domain, sur le couloir. Avant qu'elle ne réalise son centre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut avoir hors-jeu. Parce que après, probablement, il peut plus avoir hors-jeu parce que Charlène Meillon n'est pas hors-jeu. La gardienne a remis le ballon dans le cou et il doit avoir but. Si c'est ça, l'assistante, et c'est ce qui me paraît être le cas, l'assistante a fait le bon choix. Si Élise Domain était hors-jeu au départ de son action, lorsqu'on a mis ce ballon en profondeur. Ça se complique un peu pour Ngobiem. Deux matchs de suite avec deux décisions litigieuses. Vraiment, ouais. Ça, il faut le dire. Oh là là, l'arbitre, dommage. Marine Ngobiem. Pourtant, tout était bien lancé avec ce but. Il fallait aller titiller cette équipe de FAP Amazon. Il ne faut pas que la réalisation cesse de nous montrer encore ce but. Parce qu'à chaque fois, ça va nous permettre de voir si celle qui est sur le couloir, Eline Domain, était hors-jeu lorsqu'on a lancé en profondeur au départ du ballon, avant qu'elle ne sente. Si elle était hors-jeu, parce qu'on avait vraiment le grand angle, on pouvait voir si elle était derrière la défense. Là, si l'assistante a levé, hors-jeu ou pas, c'est là-bas qu'il peut avoir hors-jeu. Parce qu'après, il ne peut plus avoir hors-jeu. Et ce but refusé a toute son importance. C'est vrai que c'était quand même donné dans le tempo parfait. On va voir s'il y a un meilleur angle. On revient au direct, certainement. On aura un meilleur angle tout à l'heure lorsqu'il y aura une autre pause. C'est de prendre l'action bien au départ, au niveau du centre, avant que Élise Domain ne reçoive la passe pour aller centrer. Allez, Katen Bengono qui va obtenir le corner et il faut rester concentré parce que c'est souvent ce type d'occasion lorsque vous vous sentez désabusé, que vous encaissez derrière et ça devient très compliqué. Il faut rester dans le match. C'était un côté Louvre Mimprof. Gros coup psychologique pour les polices du coach Odou qui ont quand même jumelé ce but. Hein. Ouais. Allez, 71e minute de jeu, toujours 0-0 entre Amazon FAP et Louvre Mimprof, un corner. Tiré par la meilleure buteuse du championnat, Katen Bengono, au premier poteau. Très mal joué, ballon dégagé. Ça revient, le contrôle de Mbomo Zomo. Allez, Sokeng qui aura gauche. Allez, hors-jeu de position. Ça permet d'avoir du temps pour revoir cette action. Est-ce que Collins, avec la manivelle, peut nous remettre l'action dès le départ vers le centre, avant que la joueuse qui est sur le couloir ne reçoive le ballon. Là, on peut bien voir si elle était dans le dos de la défense déjà. Ouais. Allez, ballon. Ça revient. Meyong avec Catherine Bengono qui a tenté le grand pont. Elle est passée. Centre de Bengono, bien rattrapé par Charlène Meyong. Elle se rend de coup pour coup, les deux internationales camerounaises. C'est un vrai duel. Attention, là, il peut avoir une occasion ici. Là, il y a une occasion ici pour Noumi Prof. Elle va jouer côté gauche pour Elise Domain. Qui va contrôler? Pourquoi pas ici? C'est Ngoba Batoum. Sur son pied gauche de tir. Et dans les bras de Ngondom. Tranquille. C'est super.
Superbe c'était action. Elle n'aurait pas dû lâcher. Elle a bien fait de ne pas lâcher ce ballon. Superbe action. Et là, un ballon récupéré au milieu du terrain. Elle essaye de gagner un peu plus d'espace. Elle lève la tête et dans un bon tempo, elle retrouve Ngobak Batum avec un peu plus de vélocité. Elle lâche cette grosse frappe captée par Annette Ngondom. Un arrêt très très beau. Hein. Ça, il faut le dire. C'est très très beau ce qu'elle a fait. Bon, c'est en train de prendre un autre envol, hein, Max Chouamo. Elle se rend coup pour coup déboulée de Charlène Meillon. Et de l'autre côté, il y a du répondant avec Bengono Catherine. Bien joué. Attention. Ange Bao qui va récupérer. Allez. 74e minute de jeu, toujours 0-0. On rappelle qu'il y a un but refusé à la 65e tout à l'heure, but de Charlène Meillon qui a été refusé. Injustement ou pas, on aura la certitude à fin de match avec l'analyse en plateau qui va revenir sur cette action alors en lâche. Mais le sentiment est pour beaucoup que ce but était valable, qu'il n'y avait pas d'enjeu, même sur le débordement d'Élise Domène lorsqu'on l'a lancé. Elle était vraiment en course. Et surtout l'attitude. Et c'était son deuxième ballon touché, elle a servi un caviar. Vraiment une belle entrée en jeu. La faute sur Charlène Meillon. Charlène Meillon, Menounou, la buteuse malheureuse tout à l'heure, puisque le but a été refusé pour position d'hors-jeu. Prendre beaucoup de coups pour elle. Ouais, avec le fan club Charlène Meillon, Menounou. Sur notre page Facebook et YouTube, Nathan, qui supporte Charlène Meillon et qui doit être peut-être aussi mécontent après que son but ait été refusé. Mais il continue de supporter Charlène Meillon et Louf Mimprof surtout. Voilà un coup franc pour Ngombak Batum, la fille des Eka, et son pied gauche. Le centre élevé dans le ciel au deuxième poteau. C'est très mal joué, très très mal joué. C'est un vrai gâchis. Elle est entrée dans le dernier quart d'heure de ce duel. Encore 15 minutes dans ce duel des leaders. Deux points d'écart entre Amazon FAP à l'image et Louf Mimprof. Dans sa seconde période, Amazon FAP est clairement dépassé par les événements. Puisque le coach Doux, il a essayé de densifier son milieu de terrain. Bon, pas le densifier, il a sorti la pièce qui avait ce souci pour mettre Vanessa Djoumo qui est venue stabiliser. Vous constatez que FAP Amazon ne passe plus par ces circuits-là. Elles sont obligées de compter sur Charlène, sur Catherine Mengono pour essayer de traverser le camp des Louvres. Donc pour le moment, FAP Amazon est en difficulté. Numéro 14, Ebonye Ebongue. Entrée numéro 6, Diane Chanko. Allez, Chanko, habituel titulaire dans cette équipe. Diane qui prend la place de Raïssa Ebénie. C'est du poste pour poste à la 76e minute de jeu. Diane Chanko qui a de l'agnac, qui va apporter un peu de jus. C'est du répondant au milieu de terrain avec le changement effectué par Oudou Poumier tout à l'heure qui avait apporté un 109 dans son milieu de terrain. Et ça s'est vu. Et son équipe a repris le dessus là. La réponse de Mike Ndoumou au milieu de terrain. Avec deux changements de pas et d'autres. Effectivement. Là, ça fait que une joueuse comme Diane Chanko, vous l'avez fait de bien le préciser, c'est quand même une joueuse qui apporte cet impact physique au milieu du terrain. Et aussi, elle a cette passe facile qui peut casser deux à trois lignes. Et une fois de plus, le coach Mike répond donc à son collègue Odou Poumier. Et ça va se jouer. Les deux équipes ne veulent pas lâcher quelques occasions dans ces 15 dernières minutes parce qu'elles savent que Tout va se jouer là, Max Chouamo. Allez, la remise en jeu pour Louvre qui domine depuis 15 minutes maintenant, au moins 15 à 20 minutes. Troisième changement côté Louvre Mimprof. Sortie numéro 19, Raïssa Adama Nyambang. Sortie de Raïssa Adama. Numéro 14, Alice Mafou, Martin Fankou. L'entrée d'Alice Mafou, on va voir où elle va se positionner. C'est le milieu de terrain automatiquement. Ils ont compris que tout se passe au milieu de terrain. Si on le densifie, ça va être profitable à cette équipe des Louvre Mimprof. Il a changé quand même ses deux milieux récupérateurs à côté Odou Poumier, le côté de Louvre Mimprof. Ah, belle bagarre au milieu de terrain. Charlène Meillon en une touche avec Sim. Ah là, elle est seule tout à hors-jeu. Hors-jeu signalé. Et là, elle était bel et bien en position illicite. Complètement. Mais sinon, l'intention de la capitaine Sim Josiane, elle était quand même bonne. Hein. Et la passe aussi, elle était curviligne. Elle a complètement contourné toute la défense des FAP Amazon pour aller retrouver une Touta
Ivanik, malheureusement en position illicite. Allez, nouvelle opportunité là-bas côté gauche avec Ngoba Batum qui est décidément partout. La petite voiture d'Ezeka qui met à main de la défense, elle obtient la remise en jeu. C'est joué rapidement avec Dolores Tchadja. Tchadja tente de dribble. Elle a réussi presque rien depuis le début du match, Dolores Tchadja. Ça lui ressemble pas. Bah, plus voué à la tâche défensive. Elle a joué la Coupe du Monde, je crois, U17. Avec le coach Mikré Obiroué. La fameuse génération de 2016. Attends, c'est petit ballon, il n'y a pas de position d'enjeu. Si, finalement. Même si Ousmane Oudoudou avait déjà anticipé sur le mis son grain de sel sur cette action. Elle fait un super match. Et il faut féliciter quand même le coach Mike qui est venu aider ces filles-là. Elle était complètement perdue avec le coach Moussongue qui faisait plus confiance au doyen qui était quand même présent dans cette équipe des FAP Amazon. Attention avec Mbomo Zomo qui tente de dribble. La passe en retrait. Et le contrôle pour jouer rapidement. Elise Domecq qui a mis ce bon ballon sur le côté gauche. Et le retour de la part de Rita Wanky pour sa gardienne Annette Ngondom. Pressé, Ngondom qui dégage. Dans ces phases offensives quand même, il ne faut pas hésiter. Brigitte Yamé Bomo Zomivana, tu reçois un bon ballon de la part d'Eto Naomi. Il faut rapidement le redonner pour mettre à mal cette équipe des Louvres. Mine Prof est là, le fait de tarder, elle donne la possibilité à ses adversaires de se replier. Allez, Charlene Meyong, contrée la faute en faveur du leader Amazon FAP qui n'y arrive pas face à une équipe aussi difficile à manier comme Louvre Mine Prof. C'est la meilleure défense du championnat qui n'a pris qu'un seul but et c'était la... Il s'est fait beaucoup de plusieurs matchs maintenant. C'était à Bamenda, vous l'avez dit, avant la trêve, donc à la cinquième, à la quatrième, troisième journée. Attention là, voilà, pourquoi pas ici. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle nous a fait là, Ngatou? Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle avait l'opportunité de se retourner et d'aller vers le but. Et facilement. Parce qu'elle avait été bien servie. Elle a cru jouer en 1-2 avec sa partenaire, mais c'était le mauvais choix. Vous l'avez dit, une Dolores Tchadja qui n'est pas dans son grand match. Regardez le genre de ballon que perd, quel laxisme défensif. Ouais. Et là, ça permet à son adversaire de récupérer ce ballon. Malheureusement que cette action soit gâchée par Lina Rostan-Gachou, qui cherche quand même beaucoup de repères dans cette surface offensive, défensive, j'allais dire. Des Louvre Mine Prof, elle a du mal, elle a vraiment du mal à l'inquiéter cette défense jusqu'ici. Elle n'est pas dans son match, elle n'est pas dans son match de Dolores Tchadja. Oui, Dolores Tchadja n'est pas là, elle a failli offrir un caviar à Amazon FAP pour aller marquer enfin dans ce match. Parce qu'Amazon FAP a eu ses opportunités en début de match, on va le dire en première période, et a eu trois grosses opportunités de marquer, dans une tête de Ben Gonan sur le poteau en fin de première période. Va trouver le but. Ah, il s'est renvoyé par Marie Lokong. Elle est intransigeante. Elle renvoie comme ça vient. Allez, Catherine Bengono une nouvelle fois à côté gauche. Bengono qui a levé la tête, la passe en retrait. Elle est assez molle cette passe. Le crochet de Naomi Eto. Eto, la passe en retrait. Mbomo Zomo. Elle va commettre la faute. Non, l'arbitre laisse jouer. Elle est tout à s'est arrachée pour aller récupérer ce ballon. Le centre de Ngatou. Et belle sortie d'Ange Baou. Ouais. Tranquille. Baou qui rassure les siens. Allez, attention à ce rebond. Izzy Sonkeng qui va couvrir. Alain Gondom. Cette fois-ci, la communication, elle a fonctionné. L'ancienne gardienne titulaire des Lyons face à la nouvelle titulaire des Lyons. Pour l'instant, les deux n'ont pas encore pris de but. Du moins, il y a eu un but d'un côté, mais refusé pour position d'enjeu. Bah, elle le sort quand même du grand jeu jusqu'ici. La belle parade d'Annette Gondom sur la grosse frappe de Ngobak Batum. Et là... L'assurance d'Ange Baou dans les airs tout à l'heure sur ce centre de la part de Naomi Eto. Attention, la déviation, elle a pris ce ballon de la tête, elle a décoiffé sa vis-à-vis. Le contrôle, Naomi Eto va orienter le jeu, pourquoi pas une frappe lointaine, très au-dessus. La tentative de Diane Tchanko. On sait que c'est difficile parfois quand Catherine Mengono donne ce genre de ballon. Elle propose toujours la solution, mais là, elle a préféré tenter sa chance de loin. Et le déclic de cette rencontre peut aussi arriver par ce type d'occasion, mais c'est compliqué. De loin. Il faudrait bien que les arbitres finissent par avoir déjà les oreillettes quand même dans notre championnat.
elles auraient pu facilement communiquer. Hein. Nos arbitres dans le championnat féminin, ça se voit de temps en temps dans le championnat Elite One, où des arbitres, surtout internationaux, ont des oreillettes. Bon, qui, mais il faudrait que les organisateurs instituent ça. Allez, troisième changement côté Amazon FAP. Elle a lessivé, Brigitte Omboudou. Linda Tchoumte prend la place de Brigitte Omboudou. Est-ce que c'est un choix offensif ou bien juste pour garder le score? Parce que Amazon FAP, ce match mieux fait les affaires d'Amazon FAP qui restera toujours leader au terme de ce match. Bah, plus offensif parce qu'en début de cette rencontre, on avait deux milieux défensifs et un milieu offensif. Et là, ça change complètement. La seule qui reste milieu défensif pour le moment, c'est Diane Tchanko qui sera épaulée par Mbomo Zomo, Brigitte Chame, Ivana et Raïssa Tchomté, deux milieux offensifs. Ça fait qu'elle veut aller chercher cette équipe des Louvre Mine Prof. Elle veut aller marquer. Elle veut réellement prendre cet écart-là et elle ne recule pas. Vous voyez que pendant que le coach Poumi Oudou est en train d'intensifier son milieu de terrain avec des milieux défensifs, elle l'envoie à la guerre des milieux offensifs. Donc elle ne recule pas face à ses objectifs. Marc Chamou. Mike Ndoumo, oui, c'était une légère configuration de la part du coach Mike Ndoumo. Ainsi, on peut regretter l'absence de Ngamanga, blessé, qui a fait un accident il y a plus d'un mois maintenant et qui se remet peu à peu de sa blessure. Accident de moto, pour être précis, où la jeune pépite, football camerounais, pépite féminine. Ah, elle a toujours eu cette petite malchance-là. Au moment chaque fois qu'elle est au top de sa forme. Elle devait être sélectionnée normalement, ça, pour retenue pour la double confrontation face au Chili. Et là, cette vilaine blessure va l'écarter, certainement, on a déjà écarté la sélection, puisque le coach Alain Diouf a déjà sorti sa liste. On se rappelle du même cas, c'était en 2016 où elle était au top de sa forme, avec la joueuse d'Awambele. Elles se sont blessées comme ça, pourtant elles étaient top. Et là, pendant qu'elle revient en force, après deux saisons, dans un trou où elle manquait réellement de possibilités et d'occasions de revenir au top, et elle se blesse encore. Il y aura plusieurs minutes de temps additionnel quand même, quand on regarde le nombre de coups et de blessés dans ce match. Bah, il fallait s'y attendre. Marine Gobiem, qui à Douala, lors de la précédente journée, Caïman et Vinci avaient déjà écœuré nos amis des Vinci avec un but validé par Caïman, où il y avait, semble-t-il, une main au passage. Mais là, elle n'avait pas écouté l'assistante. Cette fois, elle a écouté l'assistante, mais est-ce qu'elle a pris la bonne décision? Bon, là est la question. Ouais, là est la question. Dernière fois, elle n'a pas écouté et l'assistante n'avait pas la bonne décision. Mais là, cette fois, c'est le contraire. Avec ce long ballon, deuxième poteau, Elise Domet, ça revient dans les pieds. Touta face à deux joueuses. Touta, elle est isolée. Il faut de petites mains fortes. Et elle sera battue puisqu'elle n'aura pas la touche avec elle. La remise en jeu avec Doudou Ousmanou. Attention, elle est harcelée, elle s'en sort bien. Elle sort bien pour balancer ce ballon, notre amie Linda Tumte. Techniquement, elle est bien. Ah, c'est ça, la belle réaction, et elle obtiendra la faute. Oh, que dit l'arbitre? Elise Domet avait pourtant bien jailli derrière la défense pour prendre le ballon. J'ai bien aimé sa vivacité. Contrôle manqué, renvoyé par Lor Kong. L'ouverture à droite. Oh là, maintenant, c'est sans cadeau. Là, c'est vraiment Diti Kotak. On se rend coup pour coup. Les Louvres savent que... Son King. Chalène Meyong pour poser le jeu. Chalène Meyong de nouveau. Chalène. Et ce tacle pas derrière. Et là, ça va virer à la confrontation. Le contrôle entre la surface. Qui a dit l'arbitre. Bomo Zomo et Meyong se sont un peu crépés les chignons. Allez, l'ouverture à gauche de nouveau. La tension est palpable. Hein. C'est électrique. Ngombak Batum, là, elle n'a pas bien joué. Tchanko, pour balancer vers Bengono de la tête. Keteng Bengono au duel face à Marie Lokong. Elle est passée. Attention, le contrôle. Le centre contré au deuxième poteau. Ce sera un corner. Et voilà l'opportunité dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire pour Amazon FAP qui a très souvent dans ce championnat marqué de but au moment le plus décisif. Est-ce qu'il sera encore le cas cet après-midi? Et une nouvelle fois, Catherine Bengono qui est revenue à l'axe, chipper ce ballon et le défi. Pour sa coéquipière Linda Rostan Gachou. Et elles obtiennent ce petit corner qui peut finalement devenir grand parce que c'est une occasion de but.
Elles ont des très bonnes joueuses de tête. Allez, le corner avec Catherine Bengono. Au départ, elle a eu une seule occasion aujourd'hui. Elle n'a pas cadré, elle a trouvé le montant. Le centre, elle est rentrant. Ça va aller mourir derrière la barre transversale. Danche Baou. T'es quand même astucieux. Hein. Je ne pense pas qu'elle ait fait espoir. Marie Lokong. Touta. Chercher un Gambak Batum, la côté gauche. La petite fille des écarts et ce petit ballon en profondeur pour la remise de Ndomé. Batum. Le centre, il est bon pour Ndomé. Le contre ça revient seul, Meyang. Oui. De Charlène Meyang. But inscrit à la 87e minute. Oh là là. Louf 1, Amazon 0, enfin il sera validé. Max Chouamo, il a dansé cette fois. Max Chouamo, c'est le même circuit quand même. Un ballon, une action construite par Ngobak Batum et Elise Ndomé, puis ça sale. Presque le même scénario. Et Charlène Meyang Menene qui trouve le 4. Oh, elles sont abattues. Elles sont abattues, les joueuses. Du coach Mike Ndoumou. Cette action, c'est Alice Mafo qui a combiné avec Robert Batum qui est le 1-2. Ndoumou a été dans la et Charlène Meyon était au deuxième poteau. Ouais. Et qui a repris ce ballon du plat du pied comme ça vient. C'est ça les grandes joueuses. C'est ça la grande classe. Et là, la préciosité de Alice Mafo à la récupération. Le coach Odou a donc eu raison de l'avoir à cette position là-haut. Et là, le classement vient de basculer. Ndoumou Prof est provisoirement leader de la Guinness Super League à cette 9e journée, puisque rappelons que Lou Miprof a déjà joué son match avancé de la 12e journée, mais n'a pas joué la 8e journée, donc elles sont au même nombre de matchs. C'est ici que tout se joue. Se profite à l'horizon, elle aura désormais 25 points. Et effectivement, Marc Chouamo, tout est en train de se jouer. Un point de plus que Amazon Trap qui a 24 points et qui pourrait connaître la première défaite du championnat. Nous sommes tout proches, hein. Nous sommes proches de là. Et surtout que derrière, il y a la pression d'Awa qui a gagné cet après-midi. Ça fait qu'elles vont devoir se poser de questions parce que prochainement il y a encore les Awa, il y a encore Éclair Football Filesa devant. Oui, oh, coach chaud. Mike Ndoumou, elle doit vraiment se ressaisir. Chargé pour la fin de la phase aller de ce championnat. On rappelle que la fin de la phase aller reste 2 journées encore. Ouais. Et beaucoup l'ont dit, le championnat des FAP Amazon débutait aujourd'hui et ça débute sur des braises avec pour le moment cette défaite. Domination méritée de la part de Louvre au tableau d'affichage. Elle mène logiquement 1-0. Oh, allez, on joue la 89e minute alors que le temps additionnel sera donné 5 minutes. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de minutes de temps additionnel. Tout est encore possible, Marc Chouamo. Tout est possible, attention à la récupération là. Et Naomi Eto qui va aller obtenir le corner, rien n'est joué. Ouais. Surtout que j'ai vu quelques réactions de la part des joueuses des Louvres qui ça fait pas professionnel parce qu'elles ont marqué ce but, elles se mettent à dégager parce que dans ce dégagement le ballon peut facilement revenir. Mais attention avec ce ballon, Charlène Meyon de contrôle et la justesse avec laquelle les joueuses ont réussi à calmer ce ballon. Alors, Elise Domé avec quelques news, elle est venue avec beaucoup d'énergie, elle a tenté un petit dribble, elle obtient la touche. L'ancienne joueuse de Caïman, c'est intelligent. Elise Domé est venu de la deuxième division à l'époque aussi, ça va une attaque ou pas. Ndomé qui a joué chez les 8-7. Elle a joué également le Chami Soccer, un petit coin à Douala là-bas pour les jeunes petits. Madame Mayaka, elle doit être très contente. Elle est très contente de voir Elise Domé. Il y avait une autre chose aussi, comme elle qui est contente. C'est vrai que c'est une cuvée de Ndomé, Colette Ntana et même Alvin Tchengang, quelquefois, elle a goûté à ce championnat, à ce petit tournoi. Chanko qui dégage. Ah, maintenant, sur un long ballon vers l'attaque. On tente de trouver la vitesse de Bengono. Il va quand même être très emprunté, assez fatigué. Ça se complique là. Parce qu'il va falloir renforcer son moral pour aller chercher cette égalisation. Charlène Meyon qui avait déjà marqué au match aller la saison dernière contre Amazon Trap avec une victoire 4-2. Ah, c'est un beau but. Elle a récidivé aujourd'hui. Et même le but d'aujourd'hui, il n'est pas mal. Reprendre instantanément, même s'il a été un peu contré. Dans son passage, ça a réussi à tromper Annette Bondom, qui encaisse son 4e but de la saison. Allez, l'ouverture de Touta, superbe, pourquoi pas. Ngobak Batum va mettre le pied sur l'accélérateur. Ngobak Batum lève la tête, le petit centre, au deuxième poteau, la remontée pointe, la remise. On dit qu'il y a hors-jeu, oui, l'assistante a dit qu'il y a hors-jeu.
Là, j'ai parlé comme un vrai supporter, merci beaucoup. Parce que j'ai mis le bon jeu. Ah ouais, ouais. Elise Ndombe, regardez la remise. Elle sait qu'elle n'est pas vraiment en position de frappe. Elle remet pour sa coéquipière qui vient plein axe pour déclencher cette frappe. Mais malheureusement, pour elle, elle est précieuse. Elise Ndombe dans la profondeur pour Charlène Meillon qui lève la tête. Elle va prendre son temps. Charlène Meillon, il reste encore 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Le centre de Ndombe, c'est repoussé, ça revient. La déviation. De moment en moment, ça revient, peut-être une frappe, mais largement au-dessus. Cette tentative de Sim. Voilà. Elise Ndombe, un bon début de championnat, Marc. On l'a dit quand même à l'entame de cette rencontre qu'elle avait passé une saison d'incubation. Du côté des Louvres Minprof, où elle avait malheureusement pas de temps de jeu. Mais depuis le début de cette Guinée Super League, quand elle entre, elle fait mouche. Je pense que là, sur cette action, elle a quand même... Gombak Batoum dans ses quick-bee. Gombak Batoum, oh là là, le slalom. Gombak Batoum, le centre-tir, la parade. Yannick Gondom pour détourner en corner. Elle sait que c'est le moment d'appuyer où ça fait mal. Elle s'essaye en solo et puis... Elle est à Duracell ou quoi, Gombak Batoum? C'est la joueuse la plus utilisée de la saison. Elle a joué tous les matchs de l'Ouvre cette saison, selon le coach Oudou Koumié. Effectivement, depuis son retour, elle a terminé ses cours du côté de l'NGS. Elle est revenue en France. Elle se tend au football. C'est également sur elle que les Louvre Minprof étaient reposés l'an passé, notamment avec 18 passes décisives. C'est pas quand même... C'est pas rien. Sa dernière compétition avec les Lions, c'était la CAN féminine à domicile en 2016. Ouais. Elle était dans le groupe. Malheureusement sortie sur blessure et après on ne l'a plus revue. Allez, le centre envoyé de la tête par Oudou. Pas Doudou, pardon. Allez, la remise de Tadia. Allez, le crochet, nouvelle fois de Bamba Batoum. Que centré vers Charlène Meillon qui laisse filer. Très intelligente, Charlène Meillon, Meneneux. Elle est courtée par des clubs de deuxième division en France. Meillon face à deux joueuses, Meillon toujours. Ah, c'est la femme du match. Ben, ça, il faut le dire. Et elle gère très bien cette action parce qu'elle sait qu'il faut. Allez, la belle remise de contre. Il faut qu'on ici le crochet. Et la belle intervention de Tchanko pour sauver les meubles. Meillon, Meillon, aussi de 1-2. Et c'est ça, la remise. Allez, on joue la dernière minute. On va jouer même les 20 dernières secondes de ce temps additionnel. Elles ont le droit. C'est une sorte de passation de pouvoir dans ce championnat. Encore quelques secondes et Louvre Minprof prendra officiellement la reine du championnat. Ah, c'est déjà fait, Marc Choimou, sauf miracle, parce que le football féminin a souvent l'habitude. C'est la seule équipe invaincue, c'est encore avec Amazon. C'est terminé, Marie Gambiem, la vie de ce match. Renvoie les deux formations à la maison. Victoire de Louvre Minprof grâce à cette dame, Charlène Meillon, meneneux à l'antenne. Charlène Meillon, la capitaine, avec ce but à la 87e minute de jeu, se place du pied. Elle avait d'abord été désabusée à la 65e avec un but qui avait été signalé en position d'hors-jeu. On aura l'occasion de revenir sur cette action avec nos amis en plateau, Amine Maï et Mathieu Fangouin. Mais belle victoire de Louvre Minprof qui a carrément dominé la seconde période. Et victoire logique, Junior. Il fallait s'attendre à cette adversité de la part des joueuses des FAP Amazon qui ont quand même tenu la baraque jusqu'à... Grâce à sa vivacité, grâce à sa technique, puisse quand même débloquer cette rencontre avec des passes qui se sont multipliées et elle était également à la conclusion. Ça fait 1-0 pour l'équipe des Louvre Minprof qui prennent dans le trône de cette Guinness Super League. Ça, il faut le dire. Elles ont cédé, FAP Amazon a cédé le siège aux Louvre Minprof. Avec cette défaite concédée cet après-midi. Et ça complique un peu plus la tâche pour les enfants du coach Ndoumou Mike qui vont devoir aller se surpasser pour revenir en grand galop dans cette Guinness Super League, autant pour moi. Parce que perdre quand même un match assez important comme celui-ci, il fallait au moins s'en sortir soit avec un match nul pour garder les deux équipes à égalité ou alors conserver cette avance de 2 points et là perdre cette rencontre aussi importante qui place quand même les Louvre Minprof à la tête. C'est donc 25 points pour l'équipe des Louvre Minprof et FAP Amazon qui reste donc aussi à cette position. 24 points, ça se complique un peu parce que derrière il y a Awa qui a aussi gagné sa rencontre de cet après-midi qui passe également devant. Donc avec cette défaite,
l'équipe du coach Mike Ndoumou passe à la troisième place. C'est une défaite qui fait très très mal parce qu'elles étaient invaincues jusqu'ici. Il ne faudrait pas oublier que derrière, il y a quand même Éclair Football Fille de ça qui vient aussi en force parce qu'elles n'ont que perdu un seul match. C'était également contre cette équipe des Louvre Minprof à la quatrième journée. Match perdu, 2-0 avec des belles prestations d'une Charlène Méon qui était une fois de plus venue plier cette rencontre avec une passe décisive en Gislaine et ça avait fait 2-0. Elles peuvent vraiment festoyer, elles peuvent jubiler. Donc ce qui fait que voilà, les Louvre Minprof ont réussi leur retour. 1-0 ici à l'annexe, 1 Omnisport de Yaoundé. Le match était attendu. Nous avons donc reçu, nous avons reçu cette belle copie de la part des Louvre Minprof qui peuvent jubiler, qui peuvent crier, qui peuvent dire merci à Charlène Meillon Ménéné. Élise Ndomé, la petite de Douala qui doit faire la fierté de cette ville à Caïman qui a donné une pépite à cette équipe de Fabre. Oh là là, oui. Elles sont en train de crier, c'est lourd, il fallait s'attendre à ça. Elle vient une nouvelle fois dédouaner et débloquer la situation côté Louvre Minprof. Elle a d'abord fait lors de la journée précédente. Et nous allons donc rejoindre Marc Chouamo au niveau de la zone mixte pour prendre la réaction de Charlène Meillon-Ménéné. Nous sommes avec la seule buteuse du match, Charlène Meillon. Bon après-midi. Bon après-midi à vous. Et une joueuse, une capitaine, surtout contente après cette victoire obtenue de haute lutte. Bien sûr, je suis contente pour cette victoire parce que nous avons cherché au fond de nos cripes et le bon Dieu a permis que nous puissions sortir vainqueurs. Alors, on a vu cette rencontre assez difficile en première période, mais une seconde période assez largement dominée. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Pourquoi est-ce que vous avez pris le devant en seconde période? Déjà, le coach a essayé de nous tirer les oreilles au vestiaire que vous pouvez. Et dès que nous sommes arrivés au terrain, vous-même, vous avez vu le changement. Alors, revenons un peu sur le premier but qui vous a été refusé en droit. C'est tellement les images grâce à la réalisation. Ça vous a gêné un peu dans le sens ou bien vous êtes dit que ça peut arriver encore derrière comme lors de votre deuxième but dans ce match? Bien sûr, j'étais un peu gêné parce que ça m'a cassé au moral, mais j'ai dit avec la force nous pouvons mettre un second but et le résultat vous-même vous avez constaté aussi. Une belle victoire, le plus gros choc de ce championnat pour le moment, nouvel leader mais il y a également des ambitions avec l'équipe nationale féminine qui s'apprête à jouer le Chili, double confrontation à venir. Vous êtes équipe nationale camerounaise, comment est-ce que vous sentez ce duel à venir pour une place au JO? Déjà, je me sens bien et je sais que grâce au travail et les consignes du coach, nous allons pouvoir battre le Chili. Allez, merci et bonne chance pour la suite avec Louvre Minprof. On va prendre la capitaine de Amazon FAP, l'autre capitaine cette fois, Annette Ngandom. Bon après-midi, Annette. Ah, merci, bon après-midi aussi. Forcément, la déception, première défaite de la saison, il fallait bien que ça arrive un jour, non? Oui, c'est le football. Aujourd'hui, on a perdu, mais on va se remettre au travail. Le match a été dur, on a eu les premières occasions. On dit au football, ce sont les détails qui jouent au foot. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu concrétiser les actions que nous avons eues. Malheureusement, nous avons perdu le match, mais bon, on ne va pas s'attarder dessus. On va se mettre au travail et poursuivre le championnat. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que le titre peut vous échapper avec ce type de défaite ou vous pensez que vous avez encore 20 chances? Il y a encore plusieurs matchs. Il y a plusieurs matchs et le titre ne peut pas nous échapper parce qu'on va continuer. L'écart n'est pas grand. Donc c'est serré, on va jouer jusqu'à la fin. Foi de Annette Ngandom, elle va jouer jusqu'à la fin. Merci à vous Annette Ngandom, on vous souhaite bonne chance pour la suite du championnat et certainement vous retrouvera pour la 10e journée. On va prendre un autre acteur actuellement en direct, c'est l'entraîneur vainqueur de Louvre Minprof en poste depuis 2014 comme titulaire, entraîneur titulaire. C'était un coach forcément content cet après-midi, coach Oudou Poumier. Oui, c'est une très grosse satisfaction, déjà que nous jouons le premier. On jouait le leader qui n'a pas été vaincu depuis le début de la saison. Donc pour nous, c'était un très gros challenge.
Nous sommes tenants du titre, il faut déjà qu'on respecte cela. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons établi l'équilibre. Maintenant le championnat va continuer. Pour nous c'est un match. On a fait un match de championnat. L'objectif reste toujours là. On va continuer à travailler. On espère que la suite va suivre. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui face au leader Amazon FAP? Je pense que ça a tous joué sur des petits détails. Mais au départ, pour nous, l'objectif, c'était beaucoup plus le collectif. On savait que pour venir à bout d'Amazon FAP, il fallait être costaud collectivement. Je crois que les filles ont répondu présent sur le plan physique, ça a été. Et nous avons eu un peu de fraîcheur avec l'entrée de Elise Nomé et Njomo Vanessa. Je crois que sur ces petits éléments, nous avons eu de la réussite et puis on ne peut qu'être fiers. Alors c'est quoi la suite maintenant pour Louvre Mimprof? À venir un calendrier moins chargé ou assez chargé? Non, pour tout le monde, le championnat devient chargé. Le prochain match, nous jouons Awa, qui est troisième de ce championnat. Pour l'instant, nous avons fait un pas. Nous avons gagné le leader. Nous allons continuer sereinement la compétition. Et nous espérons que d'ici la fin, on sortira vainqueur. Classement très très serré en tête. Merci, vous êtes leader avec 25 points en tête de ce championnat. Avec un point d'avance sur Amazon FAP, dont on accueille l'entraîneur Mike Ndoumou. Bon après-midi, Mike. Bon après-midi, monsieur le journaliste. Chaque fois qu'on est avec vous en direct, vous avez toujours la joie et les trois points. Cette fois, vous avez la joie, mais il n'y a pas les trois points. J'ai la joie, c'est pas les trois qui font ma joie. Ma joie, elle est interne. Alors, qu'est-ce qui explique la déroute de votre équipe aujourd'hui? Bon, déroute, je ne peux pas dire déroute. Je dis juste défaite, due à une petite déconcentration de la part de mon équipe, c'est tout. Nous avons eu des occasions en première manche, nous n'avons pas saisi. Et vous voyez, l'adversaire a eu une occasion, elle a mis au fond, elles ont mis au fond, c'est ça qui fait le jeu. Est-ce que vous regrettez ce début de match? Puisque vous avez justement eu deux opportunités dans les cinq premières minutes. Vous avez touché du bois juste avant la pause. C'est un jeu de malchance, on peut dire? Bon, si vous voulez, vous prenez ça, vous pensez comme vous voulez. Mais je dis, vous savez, on regrette toujours. Quand quelque chose de bien allait se passer et que ça ne se passe pas, on dit si, je savais. Ça, c'est clair que je regrette justement que mon équipe n'ait pas réalisé les deux premières actions. Mais c'est la vie est ainsi, hein, et tout se passe dans les détails. Vous voyez, c'est les détails. Vous voyez, un détail manque de concentration et un but contre son camp. Et c'est la première fois de la saison que Amazon ne marque pas un but. Depuis le début de la saison, la meilleure attaque a été muselée par la meilleure défense. Merci à vous et bonne chance pour la suite dans ce championnat, coach Mike Ndoumou. C'est ici que s'achève cette retransmission au stade annexe 1 Omnisport de Yaoundé pour le véritable duel de cette Guinée Super League entre le leader Amazon FAP et Louvre Mimprof. Désormais le leader, c'est Louvre Mimprof, tenant du titre, qu'il va falloir aller chercher pour la suite du championnat junior. Soso, un dernier mot, ce championnat sera serré jusqu'au bout, cette Guinée Super League. On a attendu ce derby pour finalement relancer le championnat et nous l'avons eu aujourd'hui avec cette victoire des Louvre Mimprof qui vient complètement bouleverser le classement et elle passe là à la deuxième place. Il faudrait dire que derrière, on a quand même Awa et Claire Football Fidessa qui viennent aussi avec une certaine pression. Donc il faut dire qu'on a là la première édition de la Guinée Super League qui s'annonce vraiment serrée avec cette victoire des Louvre cet après-midi et nous avons finalement déguster le meilleur derby de notre championnat. Ouais, pour l'instant, la crème de la crème du football féminin, c'est en direct et c'est toujours en live tous les samedis après-midi sur Canada International. Marc Chouamo, Junior Soso était avec vous. Merci à toute l'équipe technique ici à Yaoundé qui s'est déployée autour de Collins, de Milet Tchantou et du coach DP René Djoubo. Merci à vous depuis Douala, l'équipe technique aussi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour la 10e journée de la Guinness Super League. À vous Douala. Merci Marc Chouamo, un match qui a tenu toutes ses promesses justement Amine. Au terme des 90 minutes, c'est la formation de Louvre Mimprof qui s'impose un petit but à zéro face à une généreuse équipe de Fab de Yaoundé. Oui, un petit but, mais ô combien sacré. Important. Et important pour ouais. Les Louvre Mimprof. On a bien vu hein, que c'est un but qui est venu comme ça sonner une sorte de révolte. Et faire en sorte que les filles puissent véritablement reprendre confiance au-delà de la révolte, relancer ce championnat qui est
de plus en plus serré parce que justement, vous allez le voir, le quatuor de tête aujourd'hui a pratiquement 6 points d'écart entre les 4 premières équipes de ce championnat. C'est-à-dire justement combien il est animé, surtout au niveau de la tête. Et ceci nous donne justement le lieu à espérer que les prochaines rencontres de ces équipes favorites seront véritablement un régal. Donc c'est contrairement aux années antérieures où il y avait de gros écarts, c'est-à-dire on avait un leader et après on avait le reste. Aujourd'hui justement, il y a des équipes qui viennent titiller, qui viennent cogner à la porte du sac final. Ouais. Et je crois que c'est une très belle chose. Celle qui caractérise cette attaque de Louvre Mimprof, naturellement, c'est Charlène Meyen, capitaine, qui a, on en parlait durant les premières 45 minutes, qui a pesé de tout son poids et qui a porté à bout de bras cette équipe de Louvre Mimprof. C'est tout justifié ? C'est une récompense, ce but ? Oui, une récompense. Surtout qu'on a vu une Charlène Meyon en seconde période qui était un peu plus relâchée. Ça, je vous l'avais dit, il fallait que la jeu se décrispe. Et on l'a vu justement en soutien à son attaque, justement, derrière toutes les actions que ne pouvaient pas finir les attaquantes de Louvre Mimprof. Et c'est à quoi justement sert sa grosse expérience qu'elle a aujourd'hui avec elle. On l'a vu déjà sur le premier but lorsque celui-ci a été refusé par la centrale de la rencontre, qu'elle était en soutien justement à l'attaque de Louvre avec ce manqué au niveau de la défense centrale de FAP. Et elle a eu juste le temps de propulser le ballon. Malheureusement, pour un hors-jeu sifflé au départ de l'action, l'arbitre a invalidé le but. Mais le deuxième but, c'était le même scénario, c'est-à-dire ce débordement à partir, justement, la construction à partir du milieu de terrain avec Alice Mafo, décalage sur le côté avec la jeune joueuse Elise Domé, et puis ce centre comme ça au point de pénalty. On a trouvé Meyon Menene une fois de plus. C'est vrai que d'aucuns estiment qu'il y aurait certainement une fois de plus au départ un hors-jeu, mais que justement l'arbitre a décidé de valider ce but. Mais je pense que le but récompense surtout les efforts de Louvre Mimprof, parce que rendu à la deuxième période, on a vu une équipe de Louvre qui était justement plus entreprenante, plus dominatrice, qui avait justement pris le jeu en son compte, et les différents changements faits par le coach Poumier justement ont porté véritablement. On a vu avec l'entrée d'Élise Domé sur les deux buts occasionnés, c'est elle qui justement sur le côté, sous couloir, orchestre justement les actions. Et on a vu que l'arrivée au milieu de terrain d'une joueuse comme Alice Mafo a su stabiliser, et aujourd'hui elle a ce petit truc que très souvent Meyon Menene, c'est-à-dire la justesse dans la passe, la bonne récupération, le jeu vers l'avant. Je crois que ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé côté Louvre Mimprof et ça a permis d'asseoir une certaine domination. Je vous l'avais dit, lorsque la bataille au niveau du milieu de terrain sera gagnée, l'équipe qui aura pris le dessus parviendra à trouver le filet. Et aujourd'hui, c'est Louvre Mimprof. Mais dans l'ensemble, on a assisté à une très très belle rencontre de football avec justement un dispositif tactique de part et d'autre bien en place. Et il a fallu justement de ces petits erreurs ou alors ces petits manquements qu'il faut très souvent dans une équipe comme dans une autre pour pouvoir justement prendre l'avantage. Et heureusement pour Louvre, c'est elles qui ont pris l'avantage cet après-midi. Dans un instant, on va mettre la clé sur le paillasson. Mais avant cette question, Louvre Mimprof s'impose devant la formation de Amazon FAP de Yaoundé. Un seul petit but à zéro passe en tête du classement officiel de la Guinée Super League. Mais est-ce qu'elle réalise la bonne opération compte tenu des enjeux de la 10e, 11e et peut-être la fin du championnat? On en parlait tantôt, vous m'avez rassuré que Louvre Mimprof, comparativement à Amazon FAP, aura un calendrier plus dangereux et plus chargé. Disons-le, et vous avez suivi tout à l'heure le coach qui l'a dit, la prochaine rencontre de Louvre, c'est contre Awa, justement troisième du championnat, qui justement est aussi un prétendant sérieux au titre. Disons que au-delà justement de la victoire, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Louvre a su redistribuer les cartes de ce championnat, parce que en tête aujourd'hui avait 25 points, suivi de FAP avec 24 points, et par derrière on a une équipe d'Awa justement qui doit être à 19 points. Et vous comprenez que lorsque vous avez l'opportunité aujourd'hui de gagner face à un adversaire direct, vous prenez ça compte le dessus. Oui, ça compte double. Vous prenez
prenez le dessus sur vos adversaires et vous le mettez derrière. Donc, Louvre a eu aujourd'hui, à travers sa victoire, l'opportunité de relancer le championnat et de redistribuer les cadres parce qu'il se serait creusé un véritable fossé s'il y avait eu défaite et FAP avait mis Louvre-Mimprof à 5 points d'elle. C'est véritablement énorme déjà. À 5 points, on peut se permettre de perdre un match. Ouais, oui, on en peut sachant qu'on a une marge. En sachant qu'on a une marge encore de 2. Et là, tout le monde, justement, va devoir revoir ses petits calculs et justement aller jouer jusqu'au point. Plus d'erreurs, parce qu'au-delà justement de quatuor de tête, aujourd'hui, il y a aussi la lutte contre la relégation, il faut le dire. Il va falloir justement aller titiller ces différentes équipes qui ne voudraient pas aujourd'hui connaître les méandres de la deuxième division. Donc, ça va se jouer et de manière véritable. Et c'est pour cela qu'on dit les cartes ont été redistribuées, parce que vous l'avez suivi par le passé, c'était un championnat avec beaucoup de creux. Il y avait le premier Louvre, il y avait les autres derrière qui traînaient un peu le pas. Et aujourd'hui, c'est serré, c'est coude à coude. Et on attend justement de voir l'équipe qui en voudra le plus, un peu comme Louvre nous a prouvé lors de cette seconde période, qu'elles en voulaient plus que les FAP Amazon. Et elles sont allées véritablement chercher cette victoire. Merci infiniment, Émile Maillon. On va mettre la clé sur le paillasson. On rappelle le score. Un seul petit but à 0, puisque le match entre la formation de Louvre Mimprof et la formation d'Amazon FAP comptait pour la 9e journée de la Guinée Super League. Et on était en direct sur les antennes de Canal 2 International. Merci, Émile Maillon. Merci, Mathieu. On se donne rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain pour la 10e journée. Ouais, pour un autre spectacle, certainement, le top match sera Louvre Mimprof contre Awa. Bon, c'est une femme qui parle de foot féminin, j'accepte. Oui, parce que c'est la grosse affiche de la prochaine journée. Et comme Canal 2 International ne diffuse que le must, on va tranquillement se donner rendez-vous à partir de 14h30. C'est noté. Merci madame, monsieur de nous avoir regardés. Et merci également à l'équipe de Yaoundé et à Max Chouamo. On dit merci aux équipes de Collins Wanchuan que j'appelle affectueusement Aïdjo. À très bientôt sur les antennes de Canal 2 International. Bye bye.